Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez pour faire le premier test son dans le chat? Est-ce que le son est correct? Super, merci, le volume est bon. Bon, bienvenue à tous pour ce meet-up spécial 2020, spécial Covid, qui est 100% en ligne sur Twitch, comme depuis 3 semaines. Et on va commencer en donnant un bienvenue à tous les 55 personnes qui sont arrivées. Derrière, vous avez Étienne qui est à la technique. On va bientôt pouvoir accueillir Nelson qui va être le speaker qui va présenter ça. Je suis Yunchen, votre animateur. En back-office, vous avez Laurie, la petite rapporteuse, et Yann en modérateur. Et vous avez bien sûr Arnaud pour lancer les trolls et les questions dans le chat. Alors, c'est la 7e édition. On a commencé à la faculté. On a fait une conférence gratuite depuis le début. À la Kinder Arena, où on a atteint les plus de 1000 personnes l'année dernière, c'était encore gratuit. On a grossi, 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 grossi. Et cette année, suite au Covid, on a dû s'adapter pour que tout le monde soit safe et pour qu'on puisse continuer l'énergie qu'on avait sur les autres années. Et donc, cette année, c'est sur Twitch. Et donc, chaque vidéo, vous pourrez les voir jusqu'à 8 ou 15 jours après. Et surtout, après, il y aura les rediffs sur YouTube au mois de décembre. Et il reste encore 2 semaines de vidéos après celle-là. Et en passant, pour les curieux, il y aura un petit off après l'obtention des conférences sur le making-of, sur comment on a fait les lives à côté, comment on a préparé ça par notre magicien de Twitch, Johan. Et donc, effectivement, c'est une édition un peu spéciale. Alors, cette année, on a quand même eu du support des sponsors qui nous ont servi pour tout ce qui est matériel de base et surtout pour continuer à consolider la trésorerie pour l'année prochaine, pour espérer refaire un événement physique l'année prochaine. On verra quelle sera la situation sanitaire et tout ça, mais on se tient prêt pour ça. Donc, on va remercier Altitude Infrastructure, Atineos, Beer Studio, Arnaud, Digit, Imagil, Invoque, la Métropole Rouen Normandie, NWX, le Normandie Web Expert, Sagi et Wixi Web. Merci à eux. Enfin, on a eu les différentes demandes sur Twitter. Vous pouvez faire un don sur Codeur en scène. On est passé par Allo Asso, ce qui permet de passer uniquement par des plateformes françaises. Donc, on a eu des premiers dons, notamment avec des 0,42 centimes à la fin, parce qu'il y a des leaks. Et n'hésitez pas, l'objectif, c'est vraiment de consolider pour l'année prochaine pour qu'on puisse refaire un événement physique. On n'est pas sûr d'avoir autant de sponsors. Et surtout, ça permettra de remercier les bénévoles. Et merci aussi aux organisateurs, toutes les femmes et les hommes de l'ombre qui ont préparé ça. Donc, vous avez Alexandre, Arnaud, Asseline, Claire, Étienne, Geoffrey, Yvan, Laurie, Marion, Nicolas, Philippe, Romain, Rudy, Yann, notre cher président, Johan qui nous a préparé toute la technique en avance, et moi-même. Et surtout, vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des réseaux. Donc, on n'est pas encore sur TikTok. J'attends que Laurie y travaille. Mais il y a du Twitter, il y a du LinkedIn, il y a du Facebook. Vous pouvez voir nos vidéos et vous abonner sur la partie YouTube. Et vous pouvez voir les retranscriptions audio des différents meet-ups. On sélectionne les plus adaptés en podcast que vous pouvez avoir sur toutes les plateformes favorites, iTunes. Spotify, etc., etc. Maintenant, c'est enregistré sur la plupart de ça. Et Google Plus pour les anciens, mais je ne sais plus si ça tourne encore, Yann. Et surtout, vous pouvez joindre notre Slack. Il y a un channel qui est dédié pour dire rediscuter avec le speaker après, pour rediscuter entre vous dessus. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le Slack. Vous allez sur codeurenscène.slack.com. Pour continuer la conversation. Et comme on est sur Twitch, donc on va prendre un maximum de questions pendant que Nelson parlera. Et les questions, on les posera toutes à la fin. C'est comme ça qu'on s'est organisé avec Nelson. Donc n'hésitez pas. Et c'est tout l'intérêt du modèle qu'on a maintenant.
Au niveau du programme, donc il nous reste 2 semaines. Donc la semaine prochaine, on aura Romy, on parlera d'un retour d'expérience terrain sur l'accessibilité dans une organisation agile. On a souvent beaucoup de théories là-dessus et là, ça permet vraiment d'aller là-dessus. Et enfin, 12 ans de retour d'expérience sur l'usine logicielle. Ça va être assez complet. Il y aura énormément de retours terrain. Ça va être super intéressant. Et enfin, on finit par la keynote, par le YouTuber Je suis un dev, pour parler des side projects. Pour cela, n'hésitez pas à vous inscrire sur les meetups et n'oubliez pas de nous suivre sur Twitch, comme ça vous êtes notifié quand un live sera fait ou quand il y a des lives impromptus qui arriveront. Donc, merci à vous, profitez des conférences et je vais donc introduire Nelson qui va nous parler des index dans les bases de données. Et j'ai mis 2-3 pubs, dans notamment des slides de data scientist, de data engineer, parce que pour moi, ce n'est pas que pour les développeurs, c'est pour tous ceux qui travaillent sur la donnée et qui créent de la donnée. J'espère que ton talk servira à tout le monde. Nelson, je te laisse la parole. Bienvenue à lui. Merci beaucoup. Alors, ok, bah merci beaucoup pour l'introduction, Youn. Effectivement, j'ai axé le titre de la conférence sur ce que les développeurs doivent savoir sur les index. Je suis développeur, donc c'est le sujet qui me parlait le plus. Mais effectivement, ça s'applique pas que aux développeurs, ça s'applique à tous ceux qui manipulent de la data. Donc c'est intéressant, j'espère, pas uniquement pour les développeurs. Du coup, on est là pour parler ensemble un peu de bases de données et des problématiques de performance qu'il peut y avoir dans les bases de données et comment, grâce aux index, on peut se sortir de ces problématiques de performance. Alors moi, je m'appelle Nelson, du coup, je travaille dans une boîte qui s'appelle Miracle. Le principe de la boîte, c'est qu'on a un éditeur logiciel qui développe une solution de marketplace, donc dans le monde de l'e-commerce, qui va permettre à des e-commerçants de devenir des marketplaces et d'avoir des vendeurs qui vont mettre en vente des produits sur leur site. Vous en avez peut-être entendu parler récemment, on est officiellement devenu une licorne cette année. Et une des raisons pour lesquelles on est devenu une licorne, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de clients et du coup beaucoup de volumes de données à traiter. Et du coup, on a été pas mal confrontés à pas mal de problématiques de performance, justement, sur nos bases de données. Et on a dû se poser la question de comment on faisait pour arranger tout ça et pour que les performances soient bonnes. Du coup, je vais vous faire un petit retour d'expérience, à la fois théorique et à la fois pratique, sur tout ce qu'on a pu voir sur les index. On s'est un peu documenté et je me suis dit que c'était pas mal de partager un peu tout ça, parce que c'est quelque chose qui est très important quand on est développeur, de savoir comment on fait pour optimiser ses requêtes. Alors, pour commencer, la première question qu'on va se poser, c'est: est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir comment ça fonctionne en tant que développeur? Souvent, chez les éditeurs de logiciels, on a un DBA, un Database Administrator, dont son rôle, ça va être beaucoup de choses. Il va pouvoir faire beaucoup de choses. Il va pouvoir vous aider à écrire des requêtes. Il va pouvoir analyser des requêtes existantes. Il va pouvoir configurer votre base de données. Il peut faire plein d'autres choses. Par contre, il y a un truc qu'il ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas connaître tout le métier de l'application. Il ne peut pas connaître tous les chemins d'exécution qu'il y a dans votre application, toutes les requêtes qui vont être générées par l'application. Tout ça, un DBA, il ne va pas pouvoir le faire. Celui qui va être le mieux placé pour le faire, ça va être vous en tant que développeur, parce que justement, c'est vous qui connaissez tout ça, c'est vous qui connaissez le mieux l'application. Donc, il n'y a que vous qui allez pouvoir savoir comment indexer vos données pour gagner en performance. Du coup, la conclusion à laquelle nous, on est arrivé, c'est que les développeurs, en fait, ils doivent savoir indexer si on veut que ça se passe bien. Alors, pour parler des index aujourd'hui, je vais faire quelques démos. Je vais utiliser Postgres parce que c'est le SGBD que j'utilise au jour le jour, donc avec lequel je suis plus habitué. La plupart des choses que je vais dire ne sont pas du tout spécifiques à Postgres. C'est assez commun dans tous les SGBD. Donc ça va s'appliquer pas uniquement à Postgres, mais on va l'utiliser juste pour la démo. Alors pour la démo, ça va se passer dans un Postgres ici. Et en fait, j'ai une table que j'ai créée qui s'appelle Order, qui va représenter une liste de commandes. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est regarder un peu ce qu'il y a dans cette table. Je vais limiter à 10 parce que j'ai beaucoup de données, je vous en parlerai juste après. Donc là, j'ai une table order sur laquelle j'ai plusieurs colonnes. Donc l'ID de l'order, l'ID du customer, donc du client qui a passé la commande, l'ID du vendeur, la logistic size, est-ce que c'est une grosse commande ou une petite commande, la quantité, la date de création. Je pourrais avoir plein d'autres infos.
Cette table-là va nous servir pour mesurer un peu les performances avec et sans index pour comprendre comment ça fonctionne. En fait, je l'ai chargé avec 10 millions de commandes, ce qui commence à faire pas mal en termes de volumétrie pour une base de données. On peut aller beaucoup plus loin, mais ça donne une idée déjà. Et c'est grâce à cette table-là qu'on va faire un peu les démos et qu'on va voir comment ça se passe en termes de performance. Donc pour commencer, on va regarder ce qui se passe si j'essaie de trouver une commande directement par ID. Donc je vais faire un select étoile from order where ID est égal à 100, par exemple. Et là, quand je vais l'exécuter, on va voir que j'ai le résultat quasiment instantanément. Donc là, j'ai 10 millions de commandes. On a trouvé le résultat quasiment instantanément. J'ai ma commande qui a mon ID de 100 et j'ai trouvé le résultat en moins de 3 millisecondes, en 2 millisecondes à peu près. Donc ça, c'est super rapide. Maintenant, je vais faire la même requête, mais je vais chercher par Customer ID cette fois. Donc par Customer ID, je vais reprendre le même Customer ID qui est ici pour retomber sur la même commande. Donc on va prendre le Customer ID 42. Et quand je recherche par ce Customer ID, ce que je vois, c'est que là, j'ai mis beaucoup plus de temps à trouver la même commande. J'ai mis 1 seconde 2. 1 seconde 2, ça peut paraître assez rapide. En réalité, dans le monde des bases de données, c'est super lent. Super lent parce que potentiellement, pour afficher une page, vous allez avoir besoin de faire peut-être 10 requêtes SQL. Du coup, vous allez multiplier le temps par 10. Vous allez tomber à 12 secondes pour afficher votre page. Ça devient beaucoup trop lent. Du coup, je pense que vous avez déjà tous créé des index. Vous connaissez à peu près le principe. Du coup, l'idée pour accélérer cette recherche par Customer ID, ça va être d'aller créer un index que je vais appeler par exemple Customer ID index sur ma table order, sur ma colonne Customer ID. Donc quand je vais exécuter ça, ça va me créer un index et l'idée derrière, c'est que ça va accélérer la recherche ensuite. Donc là, je vais le lancer. Ce qu'on voit, c'est que ça prend un peu de temps. Ce que je vous propose, c'est de vous expliquer ce qui est en train de se passer derrière pendant ce temps-là et on reviendra juste après dessus pour voir ce que ça fait vraiment. Donc les index. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, là dans mon SGBD, il faut se poser la question un peu de à quoi ça ressemble en interne et comment ça va pouvoir nous aider. Alors en fait, le premier truc qu'il faut comprendre sur un index, c'est que c'est 100% de la redondance de données. En fait, quand vous demandez au SGBD de créer un index, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous faire une copie des données qui sont indexées, qui sont dans votre table. Il va les copier à part et il va les copier d'une manière spécifique. En fait, il va les copier de manière triée. Donc vos données vont être triées d'une manière spécifique qui va l'aider après à rechercher rapidement dedans. L'intérêt des index, c'est qu'ils sont automatiquement mis à jour par le SGBD. C'est-à-dire que si vous modifiez vos données dans votre table, vous faites des inserts, vous faites des updates, vous faites des deletes, c'est le SGBD qui vous garantit que la copie qui est triée, elle va rester synchrone avec ce que vous avez dans votre table. Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Alors les index dont je vais parler aujourd'hui, c'est des index qu'on appelle B-tree. B-tree, c'est un type d'index en fait. Il y a plein de types d'index différents pour des use cases différents. Là, on va uniquement se concentrer sur l'index B-tree, qui est l'index le plus standard en fait dans les bases de données, qui est celui que vous créez par défaut dans votre SGBD quand vous ne lui spécifiez pas un autre type d'index. Donc là, ce que je suis en train de créer, c'est un index B-tree. Donc c'est le seul dont on va parler ce soir. B-tree, donc ça veut dire que votre index en fait, il a une forme d'arbre et le B ne veut pas dire balanced, ne veut pas dire binary, pardon, il veut dire balanced. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un arbre qui va être équilibré, c'est-à-dire que les feuilles de vos arbres vont toujours être au même niveau de profondeur. Vous n'allez pas avoir des feuilles qui vont être à un niveau de profondeur de 5 et d'autres qui vont être à un niveau de profondeur de 3. Ça va être équilibré. Ce qui fait qu'en fait, les temps de recherche dans votre index, ils vont être constants pour n'importe quelle donnée que vous voulez récupérer. Vous n'allez pas devoir une fois parcourir l'arbre sur 5 niveaux de profondeur et une fois sur 3. Ça va être toujours le même niveau de profondeur. Alors, pour entrer dans le concret, à quoi ça ressemble? Pour vous expliquer ça, je vais prendre l'exemple de ma table ici, qui est ma table order, que j'ai représentée comme ça. Donc avec mes différentes colonnes, je ne les ai pas toutes mises pour que ce soit lisible. J'ai un ID, un customer ID, une logistic size et une quantity, donc ce qui ressemble à ce que je vous ai montré juste avant. Sur cette table order, si je veux récupérer par exemple toutes les lignes pour lesquelles le customer ID est 57, ce qui va se passer sans index, c'est que votre SGBD, il va devoir parcourir toutes les lignes une par une, et pour chacune de ces lignes, il va devoir regarder si mon customer ID il est égal à 57 ou pas. Et il va vous renvoyer que les lignes qui correspondent. Donc ça, on l'a vu juste avant dans la démo, c'est pas super efficace et ça peut rapidement prendre du temps. Du coup, quand vous créez un index, le SGBD va créer toute une structure devant cette table qui va vous permettre d'aller rechercher plus rapidement. Alors la structure, elle est en plusieurs morceaux. Elle ressemble à ça. Ça, c'est la première partie.
En fait, c'est la première partie de votre arbre, ça, et ça va être les nœuds feuilles de votre arbre. Donc, ça va être le bout de votre arbre. Et le bout de votre arbre, du coup, il est constitué comme ça. En fait, vous avez votre colonne qui est indexée, qui se trouve ici. Donc là, j'ai ma colonne Customer ID, puisque j'ai créé un index sur Customer ID. Et les valeurs que je vois là, je vais revenir dessus juste après, mais c'est des valeurs de Customer ID qui sont présentes dans ma table. La deuxième colonne, c'est ce qu'on appelle le Row ID. Et en fait, le Row ID, ce qu'il représente, c'est la localisation physiquement sur le disque de la ligne qui a ce Customer ID. Donc en fait, à partir de ce Row ID qui est ici, je vais pouvoir rapidement accéder sur le disque à la ligne qui correspond dans ma table. Ce qui est important de voir, c'est qu'ici, en fait, mes nœuds feuilles, ils sont chaînés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une liste chaînée, et c'est même une liste doublement chaînée. Donc chaque nœud ici a un pointeur vers le nœud suivant, et a aussi un pointeur vers le nœud précédent. Ce qui fait que quand je suis sur un nœud, bah, je peux me balader d'un nœud à l'autre, en passant au suivant ou en revenant au précédent. L'intérêt de cette structure-là, c'est que quand je vais vouloir insérer d'autres données dans ma table, je vais devoir aussi les insérer dans mon index. Et une liste chaînée, en fait, c'est facile d'insérer un élément au milieu. Parce que j'ai juste deux pointeurs à changer, le nœud précédent et le nœud suivant, et ça me permet d'insérer un élément facilement dans ma liste. Truc super important aussi, les Customer ID ici sont triés. C'est-à-dire que là, j'ai 40, 43, 46, un autre 46, 53, 53. Tout ça, c'est trié. Et ça va faire partie de la structure qui va permettre au SGBD de se retrouver rapidement dans son index. Donc ça, c'est la première partie, c'est le nœud feuille. Ensuite, pour faire un arbre, devant ce nœud feuille, tous les row ID pointent directement vers les lignes qui correspondent dans la table. Et ensuite, on a un nœud branche qui va être devant mes nœuds feuilles. Alors, ces nœuds branchages, j'en ai représenté qu'un seul, mais en réalité, il peut y en avoir beaucoup qui vont être, pour chacune des valeurs de Customer ID, je peux avoir des nœuds branches qui vont pointer vers des nœuds feuilles. Alors, les nœuds branches, eux, ils sont un peu différents. Pour le coup, ils n'ont qu'une seule colonne, là, dans mon exemple. Et la colonne, c'est, encore une fois, des valeurs de Customer ID. Et en fait, les valeurs que vous voyez là ont été calculées de telle sorte à ce que le nœud feuille qui est pointé par le nœud branche ici ne possède que des valeurs de Customer ID qui soient inférieures ou égales à la valeur ici. C'est-à-dire que ici, si je suis le pointeur vers le nœud feuille, je vais trouver dans mon nœud feuille que des valeurs de Customer ID qui sont inférieures ou égales à 46. Ici, je suis sur 53, donc je sais que ce qui est pointé par ce nœud ici, ça va être inférieur ou égal à 53. Pareil ici pour 57, pareil ici sur 83. Et ensuite, pour finir l'arbre, ce qu'on va avoir, c'est un nœud racine. Donc le nœud racine, c'est exactement pareil qu'un nœud branche, c'est juste que c'est le premier, et que lui va pointer vers plusieurs nœuds branches. Donc là, je ne les ai pas représentés, mais il pointe vers un nœud branche en haut, il pointe vers un nœud branche en bas, et il peut pointer vers plein de nœuds branches. Là, c'est pareil pour simplifier, j'ai juste deux niveaux de profondeur, donc mon nœud racine, mon nœud branche et mon nœud feuille, mais potentiellement, je peux avoir plusieurs niveaux, donc des nœuds branches qui s'enchaînent ici, donc un nœud branche qui pointe vers un autre nœud branche, qui pointe vers un autre nœud branche, qui, in fine, va pointer vers un nœud feuille. Alors, la structure est un peu complexe, mais ça a un intérêt. L'intérêt, ça va être que si je veux trouver ma valeur 57, donc toutes mes lignes qui ont un Customer ID 57, comme tout à l'heure, en fait, je vais pouvoir parcourir mon arbre. Et le parcours de l'arbre, il va se passer comme ça. En fait, je vais attaquer mon nœud racine et je vais regarder est-ce que ma valeur 39 est plus petite ou plus grande que la valeur que je cherche. Moi, c'est 57, la valeur que je cherche. Du coup, ma valeur est plus grande. Donc, je vais descendre au nœud suivant. Ça, c'est une liste doublement chaînée, donc je peux me balader. 83, c'est plus grand que la valeur que je cherche. Du coup, je sais que je peux suivre le pointeur qui est ici, parce que toutes mes valeurs qui vont être pointées par ici vont être inférieures ou égales à 83. Donc, je me retrouve en haut du nœud. J'ai un 46. C'est trop petit. Je descends. 53, toujours trop petit. 57, c'est égal. Donc, plus petit ou égal. Du coup, je sais que je peux suivre ce pointeur-là. Je me retrouve sur le nœud feuille ici. 55, trop petit. 57, ah tiens, j'ai une valeur qui match. 57, j'ai encore une valeur qui match. Et ensuite, si je continue, je vois que je tombe sur 62, la valeur ne matche plus. Comme ici, c'est trié, je sais qu'une fois que je suis tombé sur une valeur plus grande, c'est fini, j'ai identifié toutes mes lignes qui, ici, correspondaient à mon Customer ID 57. Et à partir de là, j'ai accès au Row ID, c'est-à-dire à la localisation physique sur le disque. Donc, j'ai plus qu'à aller accéder directement à mes lignes en base et à suivre mes pointeurs qui sont ici sur mes deux lignes qui ont un Customer ID de 57.
Et là, du coup, grâce à ça, ben, j'ai pu identifier mes lignes. Alors là, l'exemple est assez simple parce que je n'ai pas beaucoup de données dans la représentation que j'ai faite. Je n'ai pas beaucoup de niveau de profondeur. Et ici, la table est petite. Mais quand la table est énorme, en fait, scanner toute la table ici, ben, ça va prendre beaucoup de temps. Alors que se balader dans l'arbre ici, ça ne va pas complexifier beaucoup. En fait, pour ceux à qui ça parle en termes de notation, en complexité, le parcours d'un arbre, c'est un parcours en haut de log de n. Je ne sais pas si vous voyez la tête qui a une courbe de logarithme, mais c'est une courbe qui monte beaucoup au début, mais qui s'aplatit très vite et qui reste très plate rapidement. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez avoir beaucoup de données. C'est le nombre qui est représenté par n ici. Vous allez avoir beaucoup de données, mais en fait, la courbe logarithmique va faire que la complexité va augmenter très lentement, même si le nombre de données augmente. Quand vous faites une recherche sans index, c'est-à-dire que vous passez sur toutes les données de la table, en fait, si vous avez deux fois plus de données, vous allez mettre deux fois plus de temps à trouver vos résultats. Quand vous en avez 10 fois plus, vous allez mettre 10 fois plus de temps. Avec l'index, ce temps-là, il va être complètement amorti et le temps ne va pas être beaucoup plus long, même si vous avez beaucoup plus de données dans votre table. Donc l'index, du coup, c'est toute la structure que je vous ai montrée là. Tout ce qui est ici, c'est ce que mon SGBD est en train de construire en tâche de fond, juste avant que je quitte la démo. C'est ce qu'il a été en train de construire, toute cette structure-là, et ça va lui permettre, du coup, de retrouver ses données beaucoup plus rapidement. Alors, pour comprendre le fonctionnement des index et pour comprendre comment c'est utilisé par le SGBD, il y a une notion qui est assez importante, c'est ce qu'on appelle le plan d'exécution. En fait, sur un SGBD, vous pouvez lui demander le plan d'exécution d'une requête. Et ce que ça va vous dire, le plan d'exécution, c'est comment le SGBD prévoit d'exécuter la requête. Notamment, on va pouvoir voir est-ce qu'il va utiliser un index, est-ce qu'il ne va pas en utiliser, qu'est-ce qui va prendre du temps. Et c'est vraiment ce plan d'exécution-là qui va vous permettre d'optimiser vos requêtes et de savoir ce qui pêche dans votre requête. Alors pour l'obtenir, c'est assez simple. En fait, il suffit de préfixer votre requête par un explain et ça va vous cracher le plan d'exécution qui est prévu pour cette requête-là. Vous pouvez rajouter le mot-clé analyze qui, lui, va vous permettre d'exécuter la requête en plus de donner le plan d'exécution. Et ça vous permet d'avoir un peu plus d'infos dans le plan d'exécution, notamment le nombre réel de lignes qui a été retourné, le temps qui a passé dans chaque step. Ça vous permet d'avoir plus d'infos. Par contre, faites attention avec ça parce que ça exécute vraiment la requête. Donc, si vous faites un explain analyze sur un update, par exemple, ça va vous exécuter la requête d'update. Donc, si vous le faites sur une prod, ça peut être dangereux. Alors, à quoi ça ressemble le plan d'exécution? Pour ça, on va retourner côté Postgres pour faire une petite démo et vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Donc là, je retourne côté Postgres. Ce qu'on voit déjà, c'est que mon index, il a été créé. Il a été créé, il a mis un peu plus de 21 secondes à être créé. Donc ça, c'est le temps qu'il a mis pour créer toute la structure en arbre que je vous ai montré juste avant. Donc ce que je peux faire déjà, c'est repasser la même requête que j'ai repassée avant, c'est rechercher avec le Customer ID 42, ce qui m'était, pour rappel, 1 seconde 2 avant. Donc là, si je réexécute exactement la même requête, en fait, j'ai mis 3 millisecondes cette fois. Donc là, je soupçonne forcément qu'il ait utilisé l'index que je viens de créer pour réussir à exécuter cette requête. Donc pour m'assurer qu'il va bien utiliser l'index que j'ai créé, en fait, ce que j'ai à faire, c'est juste à rajouter le mot-clé explain devant ma requête et à l'exécuter. Quand je fais ça, la base de données, elle me sort un truc qui ressemble à ça. Et alors ça, c'est le plan d'exécution. Et je vais revenir dessus juste après, mais on voit le terme ici index scan. Et index scan, ça me confirme du coup que c'est mon index qui a été utilisé. On trouve le nom de mon index d'ailleurs ici, que j'ai créé. Donc là, je sais que le SGBD va utiliser l'index que j'ai créé. Maintenant, je peux faire la même chose sur une colonne qui n'est pas indexée. J'ai la colonne seller ID par exemple, qui elle n'est pas indexée. Donc je vais chercher ce seller ID là pour retomber toujours sur la même ligne. Alors, si j'exécute la requête, sans surprise, je n'ai pas d'index, donc je mets 1 seconde 2 à trouver ma ligne. Et si je mets un explain devant, ici, j'ai un plan d'exécution qui est différent. Ce qu'on voit qui s'affiche, c'est sec scan sur la table order. Donc ça, je vais revenir dessus juste après, mais ça veut dire que ça n'utilise pas l'index. Donc là, en fait, on voit que le plan d'exécution, il nous permet vraiment de savoir comment la requête va être exécutée et d'identifier est-ce qu'il y a besoin de mettre un index ou est-ce qu'il n'y en a pas besoin. Pour info, la première requête que j'ai faite tout à l'heure, c'était celle-là sur un ID de 100. Et en fait, ça allait très vite, tout simplement parce que la colonne ID, c'est la primary key, c'est la clé primaire de ma table. Et en fait, la clé primaire, automatiquement, le SGBD, il crée un index dessus.
Donc, c'est fait automatiquement. Donc, c'est pour ça que ma recherche par ID allait très vite. Il y a un index, c'est juste pas moi qui l'ai créé. Donc, dans le plan d'exécution, en fait, il y a deux opérations qui sont importantes à connaître. La première, on l'a vu, c'est ce qui s'appelle le sequential scan. Sequential scan, en fait, ce que ça veut dire, c'est que le SGBD, pour identifier les lignes qui correspondent à votre requête, il a dû accéder à toute la table, il a dû scanner toute la table, en fait, pour regarder si la ligne correspondait ou pas à la requête. Donc, il n'a pas utilisé d'index. L'index scan, au contraire, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est que le SGBD, en fait, vous indique qu'il va utiliser l'index pour exécuter votre requête. Donc là, il a trouvé un index qui lui allait bien pour sa requête. Il a jugé que l'index était plus performant que de faire un sequential scan. Et du coup, il va utiliser votre index. Et c'est là où vous allez vraiment gagner en performance sur vos selects. Parce que comme on l'a vu juste avant, la structure d'un index fait que vous allez rechercher plus efficacement dessus. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va voir un peu comment on peut indexer nos requêtes, du coup, de manière efficace. Donc on a vu un index tout simple. Le but, c'était d'indexer une clause where, du coup. Where customer ID, par exemple, est égal à 42. Donc là, on va voir un peu les différentes stratégies qu'il peut y avoir pour indexer justement vos closeware et pour faire en sorte que vos requêtes avec des closeware soient plus efficaces. Donc on a vu un type d'index très simple. On peut complexifier un peu suivant vos requêtes les index qui sont possibles de créer. Ce qu'on peut faire, c'est des index concaténés. Un index concaténé, ça va ressembler à ça en fait. On va faire un create index sur notre table, on va l'appeler comme on veut, sur notre table order. Et on va spécifier les colonnes qu'on veut créer. Au lieu d'en mettre qu'une, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais pouvoir mettre autant de colonnes que je veux, en fait, ici. Je peux indexer plusieurs colonnes à la fois. Là, typiquement, je vais indexer la colonne Customer ID et je vais indexer la colonne Creation Date. L'intérêt de faire ça, c'est que ça va vous permettre d'optimiser des requêtes qui, par exemple, ressemblent à ça. Vous allez pouvoir optimiser des requêtes qui font un select sur la table order, where Customer ID est égal à 123 and Creation Date est égal au 27 octobre. En fait, si vous aviez un index que sur Customer ID, vous auriez pu indexer que cette partie-là de la requête et le SGBD l'aurait utilisé que pour filtrer cette partie-là de la requête. Là, grâce à ce type d'index, vous allez pouvoir indexer complètement cette requête et vous allez gagner en performance. Alors, l'index, il ressemble à quoi quand on fait ça? Il ressemble à ça. C'est assez similaire à ce que je vous ai présenté juste avant. Donc, vous avez votre colonne Customer ID dans votre index avec votre nœud racine, votre nœud branche ou vos nœuds branches et vos nœuds feuilles. Vous avez une première colonne Customer ID qui est triée, comme avant, donc 121, 126, 131, 123, 123, 125, 126. Ici, je suis trié. Et vous avez en plus votre deuxième colonne qui est la Creation Date, qui est la deuxième colonne de l'index. Et elle est aussi triée, cette colonne-là. Par contre, elle est triée pour un même Customer ID. C'est-à-dire que là, pour mon Customer ID 123, je suis trié sur mes dates. Là, pour mon Customer ID 125, je suis trié sur mes dates. Là, pour le 126, pareil. Par contre, toute ma colonne creation date, elle n'est pas triée à partir du moment où c'est entre deux customer ID différents. Alors, comment cet index il va nous aider pour une requête avec un end, du coup, et où je recherche sur deux colonnes? En fait, le parcours, il va être assez similaire. Il va ressembler à ça. C'est-à-dire que si je cherche le customer ID 123 et le 27 octobre, ça va être exactement la même chose. Je vais prendre le nœud racine. Je vais regarder d'abord sur la première colonne, donc 121, c'est plus petit que la valeur que je recherche. Du coup, je vais voir le nœud suivant. Je tombe sur 126. Là, c'est plus grand ou égal que la valeur que je recherche. Du coup, ça veut dire que je suis potentiellement sur le bon nœud. Donc, je vais faire la même vérification maintenant sur la deuxième colonne de ce nœud-là. Le 29, c'est plus grand que la valeur que je recherche. Donc, je sais que je peux suivre le pointeur. J'arrive ici, je commence à 123. C'est la valeur que je recherche. Donc, jusque-là, on est bon. Je vérifie sur creation date. Donc, je suis le 18. Le 18, c'est plus petit que la valeur que je recherche. Donc, je ne suis pas au bon endroit. Je descends sur la deuxième colonne cette fois, le 27. Le 27, c'est la valeur que je recherche. Donc là, je suis bon, je peux suivre mon pointeur et refaire le même mécanisme ici. J'arrive sur 123, je suis toujours bon. J'arrive sur le 20, le 20, c'est trop petit. Le 21, c'est trop petit. Le 27, cette fois, je suis bon. Donc là, j'ai identifié la ligne qui correspondait. Je vois que si je descends plus bas, je tombe sur 124 en Customer ID, donc je suis plus bon. Donc je sais que j'ai qu'une seule ligne qui correspond et j'ai accès à son row ID dans mon index. Du coup, je suis capable d'aller trouver dans la table la ligne qui correspond. Donc là, ce qu'on voit, c'est que notre index, il permet d'augmenter les performances. Du coup, sur ce genre de requête, là, le SGBD va pouvoir utiliser l'index pour optimiser cette closeware. Un autre truc intéressant, c'est
Est-ce que le SGBD il va être capable d'utiliser l'index si je recherche que par Customer ID? En fait, la réponse, c'est oui. Il va pouvoir utiliser le même index, même si j'ai deux colonnes. Si on regarde le parcours, ce qu'il va pouvoir faire, c'est faire en fait la même chose que ce qu'on faisait tout à l'heure sur une seule colonne. Lui, il va faire comme s'il n'y avait que la colonne Customer ID. Vu que dans ma requête, je n'ai pas de creation date, il va simplement faire le parcours. Donc là, pour rechercher 124, il va se balader uniquement dans la colonne Customer ID. Donc, il va refaire le même parcours, 121 trop petit, 126, je suis bon. Il va partir directement là et refaire le même parcours comme ça jusqu'à arriver au row ID qui correspond. Là, en l'occurrence, j'en ai deux. Donc, il va récupérer ces deux row ID ici. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que cette requête-là, bah, ça fonctionne. Le SGBD, tout est trié. L'index est cohérent. Donc, il peut se balader dans l'index de manière triée pour récupérer mon Customer ID 123. Maintenant, instinctivement, on se dit qu'il peut faire la même chose avec Creation Date. Si je recherche uniquement sur Creation Date, donc le 27 octobre, est-ce que le SGBD va pouvoir utiliser mon index pour optimiser la requête? En fait, cette fois, il ne va pas pouvoir le faire. La raison, elle est assez simple. C'est que je vous disais tout à l'heure que c'était trié sur les Creation Date, mais ça l'est que pour un même Customer ID. C'est l'exemple que je vous montrais ici. Et en fait, là, on voit que ce n'est pas trié parce que c'est des Customer ID différents. Donc là, mon index, il ne peut pas être trié. Donc potentiellement, si je recherche la date du 27 octobre, bah, elle peut être dans n'importe laquelle des nœuds feuilles. Parce que si j'ai des Customer ID différents, je peux avoir un Customer ID ici qui est plus petit que 121, pour lequel j'ai une date du 27. Un autre Customer ID ici qui est plus grand que 131, qui est plus petit que 131, pardon, pour lequel j'ai une date du 27. Donc là, comme mon index n'est pas trié par Creation Date, bah, en fait, mon SGBD, il ne va pas pouvoir utiliser cet index-là pour rechercher uniquement par Creation Date. Donc en fait, quand vous créez un index concaténé, c'est super important de réfléchir dans quel ordre vous allez créer vos colonnes, dans quel ordre vous allez mettre vos colonnes au moment de la création de l'index. Si vous le faites par Customer ID d'abord, puis par Creation Date, vous allez pouvoir rechercher par Customer ID et Creation Date, ou uniquement par Customer ID, mais pas par Creation Date. Si vous mettez Creation Date en premier, ça va être l'inverse. Donc en fait, quand vous créez vos index concaténés, il faut vraiment se poser la question de quelle requête va être générée par votre application, pour voir comment vous allez pouvoir optimiser ça et faire en sorte que l'index puisse être utilisé pour des recherches uniquement sur un seul champ ou uniquement sur deux champs. Là, je vous ai pris l'exemple d'un index avec deux colonnes. Si j'ai trois colonnes, c'est pareil en fait. Vous pouvez rechercher sur la première colonne uniquement, sur les deux premières colonnes uniquement ou sur les trois colonnes. Et vous ne pouvez pas rechercher sur la deuxième colonne uniquement ou sur la deuxième ou troisième colonne. Ça ne fonctionnera pas. Donc, pensez vraiment à bien regarder dans quel ordre vous créez, vous spécifiez les colonnes au moment de la création de votre index. Ok, donc tout ça, ça vous permet d'accélérer les performances de vos requêtes. Il y a un truc qu'il faut savoir avec les index, c'est que ça peut être lent, un index. En fait, parfois, bah, c'est plus rapide de ne pas utiliser l'index. Donc, le SGBD, lui, il va juger est-ce que c'est plus rapide d'utiliser mon index ou est-ce que c'est plus rapide de faire un sequential scan. Ça, vous n'avez pas trop la main dessus, c'est le SGBD qui va décider pour vous. Alors, pour comprendre pourquoi ça peut être plus rapide de faire un sequential scan, parce que ce n'est pas super intuitif vu comme ça, il faut se reposer la question de qu'est-ce qu'on fait quand on parcourt un index en base de données. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le premier truc qu'on fait, c'est parcourir l'arbre pour trouver le nœud qui correspond, le nœud feuille qui va correspondre à ma requête. Donc ça, le parcours de l'arbre, on l'a vu tout à l'heure, ça ressemble à ça. Ensuite, une fois qu'on a trouvé le ou les nœuds qui correspondent, il faut itérer, descendre la liste chaînée, ici, pour aller trouver tous les nœuds qui correspondent. Là, je suis arrivé sur 123, c'est le premier, mais potentiellement, il y en a d'autres. Ça, l'opération, elle ressemble à ça. Je vais me balader sur chacun des nœuds pour arriver jusqu'au nœud qui est trop grand, donc le nœud 124 ici, pour savoir que j'ai mes trois nœuds-là qui correspondent. Ce parcours de liste chaînée, ça s'appelle un index scan range. Ça, retenez-le parce que ça va servir dans la suite pour voir comment optimiser. Mais du coup, j'ai cette opération-là. Et ensuite, pour chacun des nœuds qui correspond, je vais devoir accéder à chaque ligne individuellement à partir des row ID. Donc pour chaque ligne, je vais aller récupérer la ligne qui correspond dans ma base de données et récupérer les données qui m'intéressent. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on parcourt un index. Quand on fait un sequential scan, donc qu'on scanne toute la table et qu'on n'utilise pas l'index, en fait, le SGBD, il peut optimiser ce sequential scan. Ce qu'il peut faire, lui, c'est qu'il peut grouper l'accès aux lignes. Comme il sait qu'il va parcourir toute la table, il peut récupérer bloc par bloc les données qui sont stockées dans la table. Et en fait, souvent, les données qui sont stockées dans votre table, elles sont contiguës sur votre disque. C'est-à-dire que physiquement, sur le disque,
elles sont assez proches les unes des autres parce que Postgres les a écrites les unes à la suite des autres. Du coup, ça peut être assez performant au final d'aller récupérer plein de données dans votre table si vous savez que vous allez tout parcourir parce que c'est assez proche sur le disque et du coup, vous pouvez gagner du temps en faisant ça. Donc en fait, le SGBD, la plupart du temps, il va préférer votre index parce qu'on l'a vu juste avant, c'est plus rapide. Mais dans certaines situations, il va favoriser un sequential scan plutôt que l'utilisation de votre index, même si votre index correspond à votre requête. Les cas où il va le faire la plupart du temps, c'est quand votre requête elle renvoie la majorité de la table. En fait, si votre requête elle renvoie la majorité de la table, bah, il va se dire que de toute façon, il va parcourir la majorité de votre index. Pour chacune des lignes qu'il va trouver, il va devoir accéder unitairement à chacune des lignes dans votre table et qu'en fait, ça va lui prendre trop de temps. Alors que monter toute la table en mémoire ou passer sur toutes les lignes de la table de manière bulkée, ça va aller plus vite. Donc dans ces cas-là, si vous récupérez par exemple 90% de votre table, il y a de grandes chances qu'il préfère faire un sequential scan et ignorer votre index. Vous avez le même cas quand votre table est toute petite. En fait, si votre table elle a très peu de données, bah, toute petite, ça peut être 100 ou 1000 lignes par exemple, bah, le SGBD, ça va aller aussi vite pour lui de parcourir toute la table que d'utiliser votre index, parce que 1000 lignes pour lui, c'est rien du tout. Donc il faut savoir quand vous avez des index qui ne vont pas forcément être utilisés en fonction de ce que le SGBD juge optimal pour votre requête. Ça, pour vous le montrer, on va faire un exemple tout simple, toujours sur Postgres. En fait, je vais faire la même requête, juste la modifier un peu. C'est-à-dire que je vais rechercher, par exemple, toutes mes orders qui ont un ID inférieur à 10. Alors, mes ID dans ma table order, ils vont de 1 à 10 millions et ils sont uniques. Du coup, tous mes ID qui sont inférieurs à 10, c'est une toute petite minorité de la table. Ça va être juste les 10 premières lignes. Et en fait, si je demande les plans d'exécution pour ça, ce qu'on va voir sans surprise, c'est que mon index, il a été utilisé. Donc ça, c'est l'index de la primary key. Il a été utilisé pour faire le scan. Donc là, mon index a été utilisé parce qu'en fait, ça me renvoie peu de lignes. Donc là, ça fonctionne bien. Par contre, si je fais l'inverse et que je demande toutes les orders qui ont un ID supérieur à 10, là, ça va me renvoyer la grande majorité de la table. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le plan d'exécution, là, il bascule sur un sequential scan parce que Postgres a jugé que ça allait mettre moins de temps de scanner toute la table plutôt que d'utiliser l'index et de récupérer les lignes par une. L'index qui va forcément être utilisé, ça dépend vraiment de votre requête. Donc, c'est une bonne pratique de mettre des index pour améliorer les performances, mais il faut vraiment se poser la question de ce à quoi ressemble la requête pour savoir si au final il va être utilisé ou pas et regarder via le plan d'exécution si votre index est utile ou pas. Il y a un autre truc qui peut un peu perturber les index, c'est les requêtes préparées, les prepared statements. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. Le principe d'un prepared statement, c'est que vous allez faire une requête dans laquelle vous n'avez pas précisé en avance les paramètres qui vont être utilisés pour votre requête. Vous allez mettre un placeholder à la place. En fait, ça, l'idée de ça, c'est que ça permet d'accélérer les requêtes parce que au moment où vous allez envoyer cette requête-là à la base de données, vous allez lui demander de faire un prepare, c'est-à-dire de calculer le plan d'exécution de cette requête-là. Et en fait, c'est seulement au moment où vous allez vraiment exécuter la requête, donc vous allez lui passer le paramètre pour lequel vous voulez exécuter la requête, que la requête va être exécutée. Mais comme le plan d'exécution a déjà été calculé en amont, vous allez gagner du temps. En fait, c'est un peu le même principe qu'un langage compilé versus un langage interprété. Là, vous compilez plus ou moins la requête en amont et ensuite vous l'exécutez et vous pouvez la réexécuter plusieurs fois avec des paramètres différents. Vu que le plan d'exécution a déjà été calculé, vous pouvez réutiliser le plan d'exécution. C'est aussi super utile pour éviter les injections SQL, donc c'est plutôt une bonne pratique d'utiliser des prepared statements dans vos applications. Par contre, ça peut aussi ralentir la requête. En fait, ça peut ralentir la requête parce que comme je vous disais juste avant, au moment du calcul du plan d'exécution, bah vous avez juste un placeholder ici à la place du paramètre. Donc le SGBD, il est obligé de calculer son plan d'exécution sans trop savoir à l'avance ce que vous allez lui mettre ici. Et le souci avec ça, bah c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, par exemple, si je mettais inférieur à 10, je récupérais une petite partie de la table, donc le SGBD savait que je pouvais utiliser l'index. Si j'avais mis inférieur à 10 millions, je récupérais toute la table et du coup le SGBD, il aurait pu choisir d'utiliser un sexcan à la place de l'index. Donc en fait, ça offusque un peu le paramètre et du coup le SGBD ne peut pas se baser sur la valeur du paramètre pour justement réussir à trouver le plan d'exécution optimal. Et du coup, il n'a aucun moyen de connaître le coût de l'index range scan dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire combien de lignes il va devoir parcourir dans ma liste chaînée pour trouver les lignes correspondantes. Donc les requêtes préparées, ça reste une bonne pratique
C'est quelque chose que je vous encourage quand même à utiliser. Par contre, il faut savoir que potentiellement, ça peut perturber un tout petit peu les index et vous pouvez avoir des résultats que vous attendez pas forcément en termes de performance et votre index peut ne pas être utilisé à cause justement du fait que le SGPD ne connaît pas à l'avance tous les paramètres. Donc, pour essayer d'optimiser les performances au maximum, on va voir qu'en fait, ce qu'il va falloir réussir à faire, c'est même avec un index, de minimiser l'opération d'index scan range dont je vous parlais tout à l'heure. On va revenir dessus avec un exemple, juste pour vous rafraîchir la mémoire sur ce qu'est un index scan range. Et pour ça, on va prendre l'exemple de cette requête, qui est assez simple, qui est une requête toujours sur ma table order, pour laquelle je filtre sur le customer ID 27 et je filtre entre deux dates de création, donc arbitrairement entre le 1er janvier et le 9 janvier. Pour indexer ça, en fait, il y a deux index possibles. Ça va être un index concaténé, parce que je recherche sur deux champs. Donc, je peux le créer comme ça, sur ma colonne Creation Date et sur ma colonne Customer ID. Je peux aussi le créer à l'inverse, d'abord sur ma colonne Customer ID, puis sur ma colonne Creation Date. Les deux vont fonctionner, mon index va être utilisé dans les deux cas. Par contre, la question, c'est lequel est le meilleur pour mon use case? Et en fait, pour comprendre ça, ben, faut se repositionner, faut se remémorer comment fonctionne un index et à quoi ça ressemble. Donc, pour cette requête-là, si je crée mon premier index, il va ressembler à ça. Donc, mon premier index, c'est ma date de création en premier, puis mon customer ID en second. Mon index ressemble à ça. Je ne vais pas représenter le nœud racine ici, mais j'ai les différents nœuds feuilles. En fait, ce qui va se passer, c'est que le parcours va ressembler à ça. Donc, je ne vous refais pas le parcours, vous commencez à connaître comment ça marche. Par contre, ce que je vois ici, c'est que il commence d'abord à trouver la date de création qui correspond, puis le customer ID. Et ici, pour trouver toutes les lignes qui correspondent, ben, il va devoir regarder d'abord par date de création, est-ce que c'est dans l'intervalle ou pas. Donc celle-là, elle n'est pas dans l'intervalle, elle est éliminée. Celle-là, elle est dans l'intervalle. Donc ça vaut le coup de regarder si mon customer ID, il correspond ou pas. Là, il ne correspond pas. Celle-là, elle est dans l'intervalle aussi. Par contre, mon customer ID ne correspond pas. Il va se balader pareil sur tout le reste de la liste. Il va finir par tomber sur une date qui est dans l'intervalle et mon customer ID de 8 ici qui correspond. Donc il sait que cette ligne-là est bonne. Les suivantes, il va devoir continuer jusqu'à la fin de l'intervalle pour trouver qu'il n'y a pas d'autres lignes finalement qui correspondent. Et ensuite, je sors de l'intervalle de date. Donc le parcours là est assez long. À l'inverse, si je crée mon index dans l'autre sens, avec ma Customer ID en premier et ma Creation Date en second, ce qui se passe, c'est que le parcours, il est assez différent pour identifier ma ligne. Là, je commence par Customer ID. Donc mon Customer ID, c'est 7. C'est pas le bon. 8, on est bon. 8, on est bon. Je regarde mes dates pour les 8. Ma date ici, elle est trop petite, je ne suis pas dans l'intervalle. Du coup, ce n'est pas ce nœud-là. Ma date là, elle est bonne, elle est dans l'intervalle. Du coup, je sais que c'est ce nœud-là. Et là, j'ai juste cette ligne-là à éliminer. Et ensuite, je tombe direct sur ma ligne qui correspond. Et je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin parce qu'après, je vois que je suis toujours à 8 ici, mais qu'ici, je sors de l'intervalle. Et du coup, bah, comme c'est trié, au sein d'un même customer ID, au niveau en termes de date, bah je sais que je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Et en fait, ce qu'on voit quand on compare les deux index, c'est que mon index de gauche, ici, j'ai dû faire un index range scan, c'est-à-dire me balader dans ma liste chaînée, qui est assez grand. Alors qu'ici à droite, bah en fait, mon index range scan, il est très petit. Donc en fait, j'ai utilisé un index dans les deux cas, mais il y en a un qui a été plus performant que l'autre parce que j'ai minimisé l'index range scan. Et en fait, quand vous allez créer vos index, il va toujours falloir vous poser la question de comment la donnée va être indexée et quel type de recherche je vais faire pour essayer toujours de minimiser les index range scan. Parce que sinon, vous allez avoir des index, certes, mais les index vont être lents et le SGPD peut se dire qu'ils sont trop lents et du coup ne pas l'utiliser. Et du coup, vous n'allez pas tirer parti de votre index. En fait, la règle d'or pour minimiser les index range scan, c'est quand vous avez des égalités et des intervalles, c'est d'indexer d'abord sur l'égalité et ensuite sur l'intervalle. Le fait d'indexer d'abord sur l'égalité, ça vous permet de minimiser votre index range scan. Il y a souvent un mythe dans les index qui dit qu'il faut indexer d'abord par la colonne qui est la plus sélective, donc qui renverrait le moins de résultats. Et en fait, là, on vient de prouver l'inverse, parce que mon customer ID, potentiellement, c'est beaucoup moins sélectif que ma date de création. Parce que si mon customer fait énormément de commandes au fur et à mesure, je vais avoir de plus en plus de commandes pour ce customer-là. Et si j'ai un petit intervalle ici, bah en fait, je vais avoir moins de commandes qui vont être dans l'intervalle que de commandes qui vont être associées à mon customer ID.
Et pourtant, le fait d'indexer d'abord par Customer ID puis par Creation Date, ça va être plus efficace, alors que c'est moins sélectif. Donc c'est vraiment la règle, c'est vraiment ça, c'est égalité d'abord, puis les intervalles. Il y a d'autres petits trucs à avoir en tête pour que vos index soient utilisés de manière optimale. Il y en a un, c'est d'éviter d'obfusquer votre filtre. Alors obfusquer, ça veut dire quoi ? Un exemple, c'est ça. Par exemple, ici, dans ma closeware, je vais lui dire de rechercher toutes les valeurs pour lesquelles mon ID plus 10 est supérieur à une valeur. Et en fait, en faisant ça, là, mon LGBT, il ne va pas pouvoir utiliser mon index parce que la valeur que je vais avoir indexée, enfin, la colonne que je vais avoir indexée, c'est la colonne ID. Ce n'est pas la colonne ID plus 10. Et du coup, mon LGBT, bah, ID plus 10, lui, il ne va pas être capable d'utiliser l'index parce que ce que j'ai stocké dans mon index, ce n'est pas ID plus 10, c'est ID. Du coup, plutôt que de faire ça, bah, vaut mieux faire ça comme requête. C'est-à-dire faire la même chose, mais passer le 10 de l'autre côté. Donc faire ID supérieur à mon paramètre moins 10. C'est exactement la même chose fonctionnellement, mais ça va vous permettre à votre SGBD bah, d'utiliser l'index cette fois, parce que vous filtrez sur l'ID et non plus sur l'ID plus 10. Et là, il est capable d'utiliser l'index. Ça, c'est un exemple un peu bateau. Par contre, ça peut arriver plus souvent qu'on ait le problème avec ce genre d'exemple quand on caste des champs. Là, ici, par exemple, je vais rechercher sur ma date de création, sauf que je la caste en texte pour comparer à une chaîne de caractères ici qui représente une date. Sauf que quand je crée un index sur ma date de création, ben en fait, je crée un index sur ma date de création en tant que date et pas en tant que texte. Du coup, là, mon SGBD, ben c'est pareil. En fait, je ne le fais pas rechercher sur la donnée que j'ai indexée, je vais faire chercher sur une transformation de la donnée que j'ai indexée. Donc, pour faire ça, il ne va pas pouvoir utiliser l'index. Donc, si vous voulez éviter le problème, en fait, il vaut mieux faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il vaut mieux caster votre paramètre ici en date plutôt que de caster la date de création en texte. L'avantage avec ça, c'est que déjà ici, vous n'obfusquez pas votre creation date, donc la colonne qui est indexée, donc votre SGBD va pouvoir l'utiliser. Et en plus, là, cette valeur-là, c'est une valeur qui est statique, donc elle va être calculée qu'une seule fois par le SGBD et il va pouvoir ensuite la réutiliser partout pour votre recherche. Donc surtout, essayez de penser, quand vous écrivez vos requêtes, à ici rechercher directement sur la colonne, quitte à faire des transformations sur les paramètres en eux-mêmes, histoire d'éviter d'obfusquer la colonne sur laquelle vous filtrez pour que le SGBD puisse facilement utiliser l'index que vous avez créé. Voilà, donc là, on a vu comment ça se passait pour indexer la closeware et les bonnes pratiques qu'il fallait mettre en place. Quand vous faites du SQL, il n'y a pas que le where, il y a aussi d'autres opérations. Et c'est intéressant de savoir comment les index peuvent vous aider pour améliorer les performances d'autres opérations que simplement la closeware. La première qu'on va voir, c'est le join, qui est un truc qu'on fait souvent en SQL. Donc pour discuter un peu du join, on va prendre une requête qui est assez simple. Pareil pour à titre d'exemple. Donc c'est une requête qui sélectionne sur ma table order, toujours, et qui fait un join, un inner join, sur une table que j'ai appelée order line, qui correspond aux items que vous avez dans votre commande. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je demande à mon SGBD de me faire une jointure entre ma table order et ma table order line sur une clé de jointure. Donc côté order, je vais prendre l'ID, et côté order line, je vais prendre une colonne qui est une foreign key vers l'order, qui est order ID. Et pour la démo, je vais rajouter where mon customer ID est égal à 55. En fait, pour faire cette jointure, le SGBD il a plusieurs algorithmes. Et pour comprendre comment on peut indexer correctement les jointures, il va falloir qu'on comprenne un peu comment ces algos de jointure ils marchent. Alors, il y a trois algos qui sont dispo pour faire une jointure dans les SGBD. Il y a le premier qu'on appelle nested loop join, le deuxième c'est hash join, et le troisième c'est sort merge join. Alors, tous ces algos ils sont un peu différents. Par contre, ils ont un point commun, c'est qu'ils vous permettent de joindre seulement deux tables à la fois. Donc, si vous avez trois jointures, quatre jointures, etc., en fait, il va réitérer l'opération plusieurs fois sur vos tables qui sont dans vos différentes jointures. Mais dans tous les cas, il va faire deux tables par deux tables et pas plus. Alors, le premier algo, c'est le nested loop join. Donc, on va partir sur la même requête et on va se demander déjà comment vous le repérez celui-là. Donc, en fait, dans votre plan d'exécution, ça va écrire nested loop. Donc, si vous voyez une nested loop dans votre plan d'exécution, vous savez que le SGBD utilise cet algo-là pour faire sa jointure. La question, c'est comment on fait pour indexer ce type de jointure et cet algo-là. Alors, on va essayer de se poser la question de comment il fonctionne. Donc, je vais reprendre ma table order, comme tout à l'heure. J'ai mis un peu moins de valeur pour simplifier. Donc, j'ai ma table order avec mes différentes lignes. J'ai ma clé de jointure ici, qui est mon ID.
donc que je retrouve ici dans ma clause on. Et à côté, j'ai ma table order line que j'ai mis ici avec trois colonnes, un ID, un order ID qui est justement ma clé de jointure et la foreign key qui pointe vers la table order, et un product ID qui est une autre colonne. Donc ce qui va se passer, c'est que pour faire ma jointure, mon SGBD, ce qu'il va faire, c'est parcourir ma table order. Il va regarder ma première ligne et il va regarder si mon customer ID, déjà, il correspond à mon where. Donc, est-ce que mon customer ID, c'est 55? Dans ce cas-là, oui. Mon customer ID, c'est bien 55. Du coup, il sait qu'il va devoir me retourner cette ligne-là et la joindre avec la table order line. Et pour la joindre, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire l'équivalent d'un select sur ma table order line dans laquelle il va demander quand mon order ID est égal à 8, à 11. Pardon. Le 11, c'est l'ID qui est ici. Du coup, là, il va récupérer mon order et mon order line qui correspondent à la première ligne ici, et il va pouvoir les joindre. Ensuite, il va passer à la ligne suivante dans ma table order. Est-ce que 28, c'est ce que je recherche pour Customer ID? Non. Du coup, il va l'ignorer. Il va passer à la suivante. 55, c'est une ligne que je veux renvoyer. Du coup, il va régénérer un select pour récupérer l'order line qui correspond à l'order ID 8. Et là, il va pouvoir faire sa jointure. Donc là, grâce à ça, il va faire la jointure pour chacune des lignes qui correspond en générant des selects et il va me récupérer toutes les informations qui m'intéressent. Du coup, la question, c'est comment on peut aider le SGBD en indexant ça pour que ce soit plus simple pour lui et plus rapide pour lui de faire cette jointure de cette façon-là. En fait, c'est assez simple parce que ça fait que des selects et les selects, on sait les indexer. Le premier select que ça fait, c'est de trouver toutes mes lignes dans la table order qui correspondent à mon customer ID 55. Donc c'est ce que j'ai dans mon where ici. Et ça, on sait l'indexer. Il suffit de créer un index sur la table order, sur ma colonne customer ID. Le deuxième select que ça fait, c'est un select sur la table order line, sur la colonne order ID. Donc en fait, il suffit que je crée un index sur ma table order line, sur la colonne order ID, pour faciliter la vie au SGBD et pour qu'il puisse utiliser cet index quand il va faire ses selects ici, unitaires, sur ma table order line. Donc cet algo-là, il marche bien et on peut l'indexer. Donc c'est plutôt pas mal. Et il a des avantages. L'avantage, c'est que c'est assez efficace quand votre requête initiale elle retourne peu de résultats. Ma requête initiale, c'est quand je récupère toutes les lignes qui correspondent sur ma table order. En fait, là, si ça retourne peu de résultats, ben, je vais avoir peu de selects qui vont être générés ici, un par ligne, et du coup, ça va être assez efficace, surtout si j'ai indexé correctement mon join. Et en plus, l'usage mémoire, il est assez faible, parce que quand je trouve ma première ligne ici, je récupère les infos grâce à mon select côté order line, et là, ma jointure est déjà faite pour ma première ligne, et je peux la renvoyer. Du coup, je n'ai pas besoin de la garder en mémoire, et je n'ai pas avoir besoin de garder toutes mes lignes en mémoire, je peux les renvoyer au fur et à mesure. Donc, en termes d'usage mémoire, c'est assez efficace. Par contre, ça a des inconvénients, vous vous en doutez un peu, c'est que quand ma requête initiale elle retourne beaucoup de résultats, en fait, ici, je vais générer beaucoup de selects. Et beaucoup de selects, même s'ils sont indexés, bah c'est quand même un peu coûteux. On l'a vu tout à l'heure, le parcours d'un index, c'est quand même assez rapide, mais ce n'est pas neutre. Il faut parcourir l'arbre, il faut faire plein d'opérations. Du coup, vous allez générer énormément de selects et ça ne va pas forcément être super performant. Donc le SGBD, dans certaines conditions, il va choisir cet algo-là, mais dans d'autres conditions, il va choisir un autre algo de jointure qu'il ne va pas falloir indexer de la même façon. L'autre algo de jointure qu'il peut choisir, c'est le hash-join. Alors toujours sur la même requête, le hash-join, si vous voyez le terme hash-join dans un plan d'exécution, ça veut dire que c'est cet algo-là qui a été utilisé par le SGBD. Alors le hash-join, comment on va l'indexer? Alors lui, il fonctionne vraiment différemment. Donc je vais reprendre mon exemple avec ma table order et ma table order line. Et on va se poser la question de comment lui fonctionne, cet algo-là. En fait, c'est un peu différent. Le SGBD, il va commencer pareil, c'est-à-dire qu'il va commencer par scanner la table order et il va regarder est-ce que ma ligne correspond ou pas dans ma table order. Là, ça tombe bien, la première, elle correspond, c'est mon customer ID 55. Donc, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va créer une table de hachage dans laquelle il va stocker cette ligne-là. Une table de hachage, c'est l'équivalent d'une hashmap, par exemple, en Java, pour lequel la clé, ça va être ma clé de jointure. Donc, mon ID ici, qui est ma clé de jointure, que je retrouve dans ma table de hachage. Et la valeur, ça va être le contenu de ma ligne. Et il va alimenter cette table de hachage au fur et à mesure qu'il parcourt la table. Donc là, je vais passer à la ligne suivante. 28, ça ne correspond pas, donc je ne la mets pas dans ma table de hachage. Je passe à la ligne suivante, 55 pour Customer ID, là ça correspond. Donc je vais le mettre dans ma table de hachage. Et à faire tout le parcours comme ça de ma table, jusqu'à alimenter la table de hachage avec toutes les lignes qui correspondent dans la table.
Une fois qu'il a fait ça, il va faire le même principe sur la table Orderline. Donc là, sur la table Orderline, j'ai pas de filtre. Donc il va créer une table de hachage qui contient toutes les lignes de ma table Orderline. Donc il va parcourir chaque ligne et alimenter ma table de hachage à partir de ça. Et la clé de ma table de hachage, c'est ma clé de jointure. Donc ma clé de jointure ici, c'est l'order ID. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, en fait, le boulot, il est fait. Parce que le principe d'une table de hachage, c'est que pour une clé donnée, vous pouvez retrouver la valeur très rapidement. Donc lui, il n'a plus qu'à aller regarder pour ma clé 11 côté order dans ma table de hachage, quelle est la clé qui correspond en face côté order line. Et là, il va faire la correspondance. Et votre jointure, à partir de ce moment-là, bah, elle est faite parce qu'il a les données à la table order et les données à la table order line. Donc ça fonctionne bien. Mais l'indexation est un peu différente si vous voulez optimiser ces performances-là. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'indexer la clé de jointure, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire la colonne order ID ici, bah avec cet algo-là, ça sert strictement à rien. Parce qu'en fait, dans tous les cas, bah le SGBD, il parcourt toute votre table ici, il parcourt toute votre table ici. Donc vous pouvez indexer votre clé de jointure, ça va être contre-productif, ça va servir à rien. Par contre, vous pouvez indexer la clause where, parce que, on l'a vu, il parcourt toute la table ici pour récupérer que les lignes qui correspondent au customer ID 55. Du coup, ça, vous allez l'aider en indexant la clause where. Par contre, surtout, n'indexez pas la clé de jointure si votre algo, c'est un hash join, parce que ça ne va servir à rien et ça va être contre-productif. Donc, c'est vraiment important de se poser la question de quel algo va être utilisé pour faire la jointure, pour savoir quel type d'indexation vous allez pouvoir faire pour être efficace et pour aider le SGBD. Alors, cet algo-là, il a un avantage, c'est qu'il est beaucoup plus efficace que l'algo précédent sur les gros résultats. Parce que je vais pouvoir scanner ma table rapidement et je ne vais pas générer n select si j'ai beaucoup de lignes. Je vais juste scanner ma table une fois ici, scanner ma table une fois ici. Et une fois que ma table de hachage elle est construite, bah, ça va aller super vite et je vais pouvoir récupérer mes résultats. Par contre, il a un principal inconvénient, c'est qu'en usage mémoire, c'est beaucoup plus coûteux. Parce qu'en fait, pour pouvoir réaliser mes jointures, j'ai besoin de stocker en mémoire cette table de hachage-là et cette table de hachage-là. Et tant que je n'ai pas créé ces deux tables de hachage-là, je ne peux pas commencer mes jointures. Donc, je ne peux pas commencer à renvoyer les résultats. Donc, en fait, le SGBD est obligé de charger en mémoire le contenu des deux tables pour pouvoir faire cette jointure. Donc, c'est un usage mémoire qui est moins optimal que dans l'algo précédent. Mais c'est plus rapide sur les gros résultats. Du coup, le SGBD va prendre tout ça en paramètres et lui, il va choisir l'algo qui est le plus optimal pour la requête que vous créez. Et à partir de ça, vous allez pouvoir l'aider en créant des index suivant le type d'algo qui a été choisi. Il y a un troisième algo que je ne vais pas vous détailler ici, qui est le sort merge join. Le principe est assez simple, sans rentrer dans le détail. En gros, le SGBD, ce qu'il va faire, c'est qu'avant de faire votre jointure, il va vous trier les données dans chacune des tables par la clé de jointure. Et du coup, à partir de là, comme les données sont triées, il va pouvoir plus facilement trouver la donnée côté order qui correspond à la donnée order line. Je ne vous le détaille pas ici parce que c'est un algo qui est assez peu utilisé par les SGBD et souvent c'est plutôt le hash join ou le nested loop join qui sont utilisés, qui sont favorisés par le SGBD. Juste pour que vous le sachiez, ça s'indexe exactement de la même façon que le hash join si jamais vous voyez dans un plan d'exécution. Voilà, donc là on a fait le plus dur, on a vu le where, on a vu les jointures, c'était le plus dur, on va passer un peu plus vite sur la suite. La suite c'est comment on indexe un order by. Donc un order by, ça ressemble à ça. Vous faites une requête sur votre table order et vous pouvez lui dire de trier par date de création de commande, par exemple, ascendant, puis, s'il y a égalité sur la date de création, par customer ID ascendant. Alors, est-ce qu'on va pouvoir utiliser un index pour aider le SGBD à exécuter un order by plus rapidement? La réponse, c'est oui. Tout simplement parce qu'en fait, un index, on l'avait vu tout à l'heure, c'est trié. Et du coup, si votre index, il est trié, bah, l'order by, il va pouvoir être fait en utilisant l'index. Parce que, bah, comme c'est trié, bah, le SGBD, s'il utilise l'index, il va directement parcourir les données de manière triée et à pas avoir besoin bah, de retrier votre table. Il va directement pouvoir le faire depuis l'index. Mon index, il ressemble à ça, si je crée un index sur date de création et customer ID. C'est-à-dire que j'ai mes commandes d'aujourd'hui qui sont en dernier, parce que c'est la date de création la plus grande, puis mes commandes à J-1, puis à J-2, puis à J-3. Et pour chacune des dates, j'ai mes customer ID qui sont triés. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une liste doublement chaînée dans mon index. Du coup, en fait, mon index, il peut être lu dans les deux sens. Donc, si vous avez un index qui correspond à votre order by, donc sur vos deux colonnes d'order by ici, vous allez pouvoir trier par date de création ascendante et customer ID ascendante, mais vous allez aussi pouvoir trier par l'inverse, date de création descendante et customer ID descendant.
grâce à la liste doublement chaînée, en fait, votre index, il va pouvoir être lu dans un sens ou dans l'autre sens. Et il va vraiment faciliter l'order by, parce que juste le parcours de l'arbre, ça vous permet d'avoir les données directement triées. Donc, si vous voulez indexer un order by, vous avez juste à créer un index sur les colonnes qui sont utilisées dans votre order by. Maintenant, le group by. Alors, le group by, c'est un petit peu différent. Une requête avec un group by, ça ressemble à ça. Donc, vous avez, par exemple, vous avez sélectionné le customer ID et la somme des montants depuis la table commande pour ce customer ID là. Vous avez groupé par customer ID. L'idée, c'est de savoir combien chaque customer a dépensé d'argent en termes de commande. Donc ça, pour comprendre comment on peut indexer ça et comment ça fonctionne, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure où j'ai ma table order dans laquelle j'ai ma colonne ID, ma colonne customer ID, qui est ma clé de group by, je groupe par customer ID, et ma colonne amount ici, qui représente le montant pour une commande donnée, le montant de ma commande. Donc là, on voit que mon customer 55, par exemple, il a passé deux commandes, une à 9,99€, une à 10€, et customer 28, il a passé qu'une commande à 21,10€. Pour exécuter cette requête-là, le SGBD, il a deux algos à sa disposition, le HGroupBy et le SortGroupGroupBy. Ces deux algos-là, ils ont des performances qui sont différentes et ils ont, pareil, des stratégies d'indexation qui sont différentes. Alors, en termes de performance, on va regarder le premier algo, comment il fonctionne. Le premier, c'est le HGroupBy. Le HGroupBy, c'est un peu le même principe que le HJoin. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, ça va être de construire une table de hachage au fur et à mesure pour nous aider à faire nos agrégations et pour nous aider à faire notre group by. Donc le SGBD, il va commencer par le début de la table, la première ligne. Si la ligne y correspond, il va la mettre dans une table de hachage. Ma clé, c'est la clé de group by, donc mon customer ID. Et la valeur, c'est pareil, c'est le contenu de ma ligne. Alors c'est le contenu de ma ligne avec mon customer ID ici, et ici, le amount, le montant de ma commande pour cette ligne-là. Ensuite, il va passer à la ligne suivante. Il va regarder, est-ce que pour ma ligne suivante, j'ai déjà une entrée dans ma table de hachage avec ma clé de group by, donc le customer ID 28. Dans ce cas-là, j'en ai pas. Du coup, il va ajouter une nouvelle entrée à ma table de hachage avec en clé 28 et en valeur la ligne qui correspond. Ensuite, il va passer à la ligne suivante. Et là, il va se poser la même question. Est-ce que j'ai déjà une clé 55 dans ma table de hachage? Là, cette fois, je l'ai déjà. Et en fait, ce qu'il va faire, du coup, c'est qu'il va mettre à jour en fait la valeur qui est stockée pour cette clé-là. Et il va faire la somme ici des montants. Donc il va sommer 10 euros, qui est le montant de cette ligne-là, à mon montant de 9,99 € qui est stocké dans ma table de hachage. Et du coup, il va me calculer 19,99 € ici. Il va faire ça pour toutes les lignes. Et quand il aura parcouru toutes les lignes, bah, en fait, dans la table de hachage ici, il va avoir le résultat de votre requête. Parce que toutes les sommes vont être faites ici et l'agrégation va être faite. Du coup, en fait, le HGroupBy fonctionne comme ça grâce à la table de hachage. Alors, le HGroupBy, il faut savoir que du coup, il est un peu gourmand en mémoire, parce que c'est le même principe que tout à l'heure. On est obligé de construire toute la table de hachage avant de pouvoir envoyer les résultats. Parce que potentiellement, j'ai des lignes à la fin avec mon customer ID 55 qui vont devoir être agrégées quand je vais parcourir à la fin de ma table. Donc, je ne peux pas commencer à renvoyer mes résultats au fur et à mesure. Donc, ça peut être performant, mais c'est un peu gourmand en mémoire. Du coup, le SGBD, il y a un autre algo, qui est le sort group group by, qui fonctionne un peu différemment. Celui-là, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, le SGBD, il va trier votre table avant de faire les agrégations. Donc, il va se ramener une configuration qui ressemble à ça. Donc, pareil, il va parcourir toute la table et il va vous la trier. Donc là, c'est exactement la table order qui est triée avec ici mon champ amount, qui n'est pas encore agrégé. Et en fait, une fois que c'est trié, bah, c'est beaucoup plus facile pour lui parce qu'il a juste à se balader sur les différents nœuds. Donc, il va commencer avec le nœud 28 ici. Il va voir que j'ai une seule valeur pour 28. Donc, il va déjà savoir que la somme, c'est 21,10. Celle-là, il va pouvoir commencer à la renvoyer parce que mon agrégation est déjà faite. Ensuite, il passe à la valeur suivante, 55. Il regarde si j'en ai une suivante, oui, qui vaut 55. Du coup, il va pouvoir faire la somme ici. Et regarde si j'en ai une suivante qui vaut 55. Non, il est arrivé à la fin. Du coup, il fait la somme des deux. Il peut la renvoyer et passer à la ligne suivante. Il va faire ça rapidement. Je t'interromps rapidement. Étienne, est-ce que tu peux décaler la caméra pour que les gens puissent voir la table, s'il te plaît? Tu me dis quand c'est bon? Oui, il y a un petit décalage. Pas de souci. On se demande, parce que du coup, ça a commencé à râler sur le chat. Ça fait une petite pause pour reprendre ton souffle. Parfait, ouais.
Toujours pas. On est bon? Super, merci. Donc juste pour résumer, pour ceux qui n'ont pas vu sur la table, comme la table est triée, ça va beaucoup plus vite parce qu'il a juste à faire la somme directement des valeurs qui sont triées. Et dès qu'il voit qu'il y a une valeur de Customer ID qui est plus la même qu'avant, bah, il sait qu'il a fini son agrégation et il peut commencer à renvoyer les résultats. Donc en fait, le sort group group by, lui, il peut être streamé, c'est-à-dire que les résultats peuvent être envoyés au fur et à mesure. Et du coup, en mémoire, c'est plus efficace parce que vous n'avez pas besoin d'avoir tous les résultats, enfin tout le contenu de votre table en mémoire avant de pouvoir envoyer vos résultats. Et vous pouvez renvoyer les résultats au fur et à mesure et ne plus les garder en mémoire. Donc en termes de gestion mémoire, c'est plus intéressant. Ça, encore une fois, c'est le SGBD qui va déterminer en fonction de vos données, en fonction de plein de choses, quel est l'algo le plus pertinent à utiliser. Par contre, maintenant que vous savez comment ça fonctionne, vous savez en fonction du type d'algo, comment vous pouvez aider le SGBD à faire cette requête-là plus rapidement grâce aux index. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a seulement le sort group group by qui va pouvoir être indexé. Le hash group by, on l'a vu tout à l'heure, c'est un peu comme le hash join. Lui, de toute façon, il construit une table de hachage avec toutes les données. Du coup, l'index, il va vous servir à rien. Par contre, le sort group group by, bah, vous pouvez l'indexer en indexant la clé de groupage. Donc, ma clé de groupage, là, c'est le customer ID. Et en fait, si je l'indexe, ça va permettre au SGBD de trier plus rapidement ma table. Parce qu'on l'a vu juste avant, le order by, il peut bénéficier d'un index. Du coup, pareil, avant d'indexer un group by, il faut vous poser la question de quel algo est utilisé grâce au plan d'exécution, vous allez le voir. Parce que potentiellement, vous n'allez pas pouvoir indexer et le SGBD ne va jamais utiliser votre index. Donc, vraiment, essayez de voir quel algo est utilisé avant de créer un index pour le group by. Ok, donc on arrive à la fin de ce qu'on peut faire avec des requêtes SQL. Il y a un dernier truc dont on n'a pas parlé, c'est tout ce qui est pagination. Et en fait, c'est assez intéressant de se poser la question de comment on peut faire pour optimiser les performances de la pagination. Parce que souvent, la pagination, on ne la fait pas de la bonne façon pour être performant. Donc la pagination, le use case, c'est assez simple. C'est vous avez un écran et vous voulez afficher, par exemple, vos 100 premières commandes. Ça va être vos premières pages. Et ensuite, votre utilisateur va pouvoir passer à la page suivante pour afficher les 100 commandes suivantes, etc. Donc, ce que vous allez faire, d'habitude, en SQL, c'est faire une requête qui ressemble à ça. Donc, pour afficher votre première page, select étoile from order, je vais trier par exemple par date de création, et je vais mettre un limit 100 pour récupérer que les 100 premières commandes, et un offset de 0, parce que c'est ma première page, donc je veux les 100 premières. Pour aller à la page 4000, par exemple, je vais faire la même chose, toujours un limit 100, parce que je veux mes 100 commandes uniquement. Par contre, je vais calculer mon offset pour faire en sorte de skipper les 399 900 premières commandes parce que je suis à ma page 4000. Donc ça fonctionne bien. Fonctionnellement, ça fait ce qu'on veut. Le résultat de ça, c'est que votre SGBD, en fait, il va utiliser votre index pour les premières pages. Donc ça va être assez rapide. Par contre, si vous faites le test chez vous avec beaucoup de données, vous allez vous rendre compte que pour les dernières pages, donc la page 4000 par exemple, ou la page 10000 si j'ai beaucoup de données, ça va être beaucoup plus lent et votre SGBD ne va pas utiliser l'index. À se demander pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi ce n'est pas super performant du coup sur les pages qui sont à la fin de vos données. En fait, pour ça, il faut comprendre l'index à quoi il ressemble. Donc si j'indexe par date de création, parce que je trie par date de création, on a vu que ça ressemble à ça. Donc je vais avoir toutes mes commandes d'aujourd'hui, puis toutes mes commandes AJ-1, AJ-2, AJ-3, mon index va être trié. Quand je vais demander ma première page, ce que je vais faire, je suis trié par ordre descendant, donc si je vais demander à l'index, donne-moi les commandes les plus récentes. Donc les 100 premières commandes les plus récentes, le SGBD va parcourir l'index, donc en partant du bas parce que je suis trié par ordre descendant, et va récupérer les 100 premières commandes qui vont correspondre à ma page 1. Donc ça, il peut le faire en partant du bas de l'index. Ensuite, je demande la page 2. Quand je demande la page 2, ce qui va se passer, en fait, c'est ça. C'est qu'il va parcourir les 100 premières commandes, mais il va les skipper, parce que je vais avoir un offset de 100. Et ensuite, il va me prendre les 100 commandes suivantes qui correspondent à ma recherche, du coup, et à mon limite de 100. Le truc, c'est pour savoir que là, il y avait 100 lignes avant, il est obligé de parcourir mon index. Il est obligé de savoir qu'il y avait 100 lignes avant et de les parcourir pour savoir que celle-là, il doit les skipper et ensuite que ma page 2 commence à partir de la 101e commande. Pour ma page 3, ça ne s'arrange pas. Il doit parcourir 200 commandes, les skipper et ensuite récupérer les 100 commandes suivantes. La page 4, encore pire, il parcourt 300 commandes pour rien,
et ensuite il récupère les 100 commandes qui m'intéressent. Du coup, en fait, ce qu'on voit, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'index scan range, il doit être fait même pour les lignes qui sont ignorées par l'offset. Donc, c'est ce que j'ai représenté en pointillé ici. Plus vous allez loin dans vos pages, plus vous allez scanner votre index pour récupérer, enfin pour skipper toutes les lignes qui doivent être skippées et ensuite récupérer les 100 lignes qui vous intéressent. Et du coup, le SGBD, au début, va utiliser votre index parce qu'il voit que c'est performant. Et après, il va voir que faire un sex scan sur votre table, bah, ça va aller limite plus vite parce que dans tous les cas, vous allez devoir parcourir une grande majorité de votre table. Du coup, ça fonctionne fonctionnellement, mais ça ne fait pas trop ce qu'on veut en termes de performance. Il y a une autre méthode, qui est une méthode beaucoup plus performante pour faire de la pagination, et qui va utiliser les index de manière plus optimisée. Alors, pour ça, en fait, on va faire exactement pareil pour trouver la première page. Donc, votre requête, elle va ressembler à la requête précédente. On va faire un limite 100, toujours trié par date de création. Par contre, pour la page 4000, ça va être un peu différent. Pour accéder à la page 4000, en fait, vous allez rechercher toutes vos commandes qui ont une date de création qui est inférieure à la dernière commande de votre page précédente. En fait, votre dernière commande de la page précédente, donc de la page 3999, vous allez récupérer sa date de création et vous allez dire au SGBD, je veux les 100 commandes suivantes qui ont une date de création plus grande que celle-là, plus petite, pardon, dans mon exemple, que celle-là. Et ça, en fait, si vous indexez, ça va être possible. C'est-à-dire que la première page, ça va être toutes mes premières commandes, les 100 premières, comme tout à l'heure. Par contre, ma page 2, bah, en fait, ça va être toutes les commandes qui ont une date de création qui est plus petite que le dernier résultat de ma page 1 qui se situe ici. Et du coup, là, le SGBD va pouvoir utiliser votre index pour directement identifier quelle est la première commande qui correspond et vous sortir la page 2 sans avoir besoin de skipper la page 1. Pareil pour la page 3, pareil pour la page 4. Il va à chaque fois repartir de la page précédente et ça va éviter toute l'étape de scan pour rien qu'on avait avec la méthode précédente. Donc ça fonctionne bien en termes de performance. Ça vous permet d'avoir un temps d'accès constant, peu importe la page à laquelle vous allez. Par contre, ça a quelques limitations. La première, c'est votre tri. Il doit être 100% déterministe. C'est le cas aussi avec des offsets et des limites, mais ça pose encore plus de problèmes quand ce n'est pas déterministe avec cette méthode-là. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de trier uniquement par date de création, je vais devoir trier par date de création et par ID, par exemple. Parce que je peux avoir plusieurs colonnes, plusieurs commandes qui ont la même date de création. Du coup, je vais être obligé de rajouter un critère qui va être différenciant. Du coup, ça fait qu'ici, dans votre where, vous allez devoir faire un where sur la date de création et l'ID qui sont inférieurs à la date de création de la page précédente et l'ID de la page précédente. Donc, c'est un peu plus lourd à mettre en place. Vous avez vraiment besoin d'avoir un tri déterministe. Donc, votre index, il va ressembler à la date de création et l'ID dans le même index. Et à partir de là, vous allez pouvoir avoir exactement le même principe et bénéficier de bonnes performances. Une autre limitation, qui cette fois est fonctionnelle, vous n'allez plus pouvoir arbitrairement aller à une page donnée. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir dire « je veux aller à ma page 4000 directement ». Parce que pour aller à la page 4000, il faut être passé par la page 3999 pour connaître la dernière date de création et le dernier ID. Et pour être à la page 3999, il faut être passé par la page 3998. Donc en fait, fonctionnellement, vous n'allez plus pouvoir avoir un bouton qui dit « je veux aller à la page 4000 ». Vous allez être obligé d'avoir un bouton qui fait « next, next, next », mais pas pouvoir aller arbitrairement à la page 4000. Une des solutions UX pour éviter de se poser la question, c'est de faire du scroll infini. Comme ça, en fait, vous passez forcément par toutes les pages et la question ne se pose même pas. Autre point qui est un peu plus compliqué, c'est que vous allez devoir inverser l'opérateur qui est ici en fonction de l'ordre dans lequel vous triez. Là, je trie par ordre descendant, donc je veux toutes mes lignes qui ont une date de création inférieure à la page précédente. Si je me mets à trier par ordre ascendant, je veux vouloir toutes les lignes qui ont une date de création supérieure. Donc, c'est un peu plus compliqué à coder parce qu'il va falloir que vous changiez aussi l'opérateur en fonction de l'ordre dans lequel vous triez. Mais si vous voulez des bonnes performances, ça va être la seule façon de paginer de manière efficace, surtout pour les pages qui sont lointaines. Du coup, ça a quelques limitations, mais c'est vraiment la bonne façon de faire si vous voulez être performant. OK, on est arrivé au bout de comment on faisait pour indexer correctement nos requêtes et nos requêtes de select. Je vais passer très brièvement, parce que l'heure tourne, sur tout ce qui est modification de données. Mais c'est important de savoir que les index, ça va aussi avoir des impacts sur la modification des données que vous allez faire dans votre base de données. On a vu tout à l'heure, un index, c'est de la pure redondance, c'est une copie des données. Du coup, le SGBD, il doit garder synchrone les données que vous avez dans votre table et les données que vous avez dans votre index. Et pour ça,
Bah en fait, il va devoir, à chaque fois que vous faites un update, à chaque fois que vous faites un insert, à chaque fois que vous faites un delete, il va devoir modifier l'index en plus de modifier la table. Du coup, ce qu'on va constater, c'est que votre index, il va détériorer les performances des inserts, des updates et des deletes. Donc en fait, il ne va pas pouvoir créer des index n'importe où, parce que certes, ça peut vous accélérer vos selects, mais en même temps, ça va vous détériorer les performances des inserts, des updates et des deletes. Quand vous faites un insert, il n'y a pas de closeware dans votre insert. Vous faites un insert, vous lui donnez les valeurs à insérer, il n'y a pas de closeware. Du coup, dans tous les cas, le SGBD, il ne va pas pouvoir utiliser votre index pour optimiser la closeware, vu qu'il n'y en a pas. Du coup, l'index, bah, il va plomber les performances de l'insert parce qu'il va devoir, en plus d'insérer dans la table, le SGBD va devoir aussi insérer dans l'index. Il va avoir le double du boulot à faire. Du coup, ça va ralentir votre insert. L'update, c'est un peu différent. Quand vous faites un update, vous avez une closeware potentiellement dans votre update. Donc en fait, le SGBD, il va devoir updater la ligne dans la table et aussi la ligne dans l'index. Par contre, l'index va quand même lui être utile pour identifier les lignes qu'il doit mettre à jour, qui sont identifiées par la closeware. Donc l'update, en fait, il va être ralenti par l'index parce qu'il va devoir faire double boulot d'écriture. Par contre, il va quand même être un peu amélioré parce que le where va pouvoir être indexé. Donc l'index va détériorer votre update, mais il va quand même avoir un côté un peu positif parce qu'il va vous permettre d'identifier plus rapidement les lignes à updater. Il y a un truc important, c'est que plus vous mettez à jour de colonnes qui sont indexées, moins les performances vont être bonnes. Donc si vous mettez à jour 10 colonnes et que les 10 colonnes sont indexées, il va falloir mettre à jour les colonnes dans les 10 index. Ça paraît idiot vu comme ça, mais il faut que vous fassiez attention quand vous créez vos updates, quand vous créez vos requêtes d'update, à vraiment n'updater que les colonnes qui ont besoin d'être mises à jour. Ça, quand vous le faites vous-même, c'est assez simple, mais c'est un peu plus compliqué quand vous passez par des ORM, par exemple. Par exemple, typiquement avec Hibernate, par défaut, quand Hibernate va vous générer un update, il va vous générer un update sur toutes les colonnes de votre objet, donc toutes les colonnes de votre table. Alors que même s'il y a des colonnes qui n'ont pas besoin d'être mises à jour, il va quand même vous les mettre à jour. Du coup, faites attention si vous utilisez un ORM, essayez de faire en sorte, pour les performances, qu'il ne mette à jour que les colonnes qui ont vraiment besoin d'être mises à jour. Parce que potentiellement, sinon, vous allez avoir des mises à jour dans des index, vous n'aurez pas eu besoin de faire des mises à jour, et ça va vous plomber encore plus les performances de votre update. Et enfin, le delete. Le delete, c'est pareil, il y a une closeware. Du coup, vous allez avoir le double du boulot à faire quand même, côté SGBD, parce que vous allez devoir supprimer les données dans votre table et aussi dans votre index. Par contre, l'index va un peu vous aider quand même pour identifier les lignes qui doivent être supprimées. Il y a un truc avec Postgres, c'est que l'index ne ralentit pas tant que ça le delete. C'est en fait, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne dans Postgres un delete, mais quand vous faites un delete, Postgres ne va pas supprimer physiquement la ligne au moment où vous faites le delete. Il va le faire bien plus tard quand il va passer un vacuum. Donc en fait, il flag juste la ligne comme étant une ligne à supprimer, mais il ne la supprime pas physiquement sur le disque. Du coup, c'est pareil dans l'index, donc ça ralentit beaucoup moins que ce que ça peut ralentir pour un update ou pour un insert. Donc le delete ne va pas être tant que ça ralenti par l'index, au moins dans Postgres. Toutes les bases ne fonctionnent pas comme ça, mais dans Postgres, le delete, ça a assez peu d'impact, en fait, l'index sur les performances du delete. Donc, ce qu'on voit, c'est que créer des index, ce n'est pas neutre en termes de performance pour la modification des données. Du coup, la recommandation principale, c'est de surtout ne pas surindexer. Donc, n'allez pas créer des index sur toutes vos colonnes, parce que si vous le faites et que vous n'en avez pas spécialement besoin, ça va vous ralentir tout, tous vos inserts, tous vos updates, tous vos deletes. Le deuxième inconvénient, c'est comme c'est une copie des données, bah, ça utilise de l'espace disque. Et ça va vous prendre de la place sur votre disque. Donc surtout, si vous n'avez pas besoin d'index, ne les créez pas, parce que ça va être contre-productif. Il y a un truc qui peut être intéressant de connaître, c'est que vous pouvez faire des index qui sont dits partiels, partiels ou filtrés, je crois, suivant les SGBD. En Postgres, ça s'appelle partiel. En fait, vous pouvez rajouter une closeware quand vous créez votre index. Vous pouvez dire que vous voulez indexer la table order, la colonne customer ID, mais seulement pour les orders pour lesquels le country est FR, par exemple. Ça, l'intérêt, c'est que cet index-là, il va pouvoir être utilisé si vous faites des requêtes SQL dans lesquelles votre country, c'est FR. Donc, le use case, c'est par exemple, si vous ne recherchez que sur les commandes qui sont en français, enfin, qui ont été prises en France, et que vous n'avez jamais recherché sur les commandes d'autres pays, ben, en fait, vous n'avez pas besoin d'indexer toutes les lignes de votre table, vous pouvez n'indexer que les lignes qui correspondent à votre critère de recherche. L'intérêt, c'est que vous indexez moins de données, donc votre index, il est plus petit. Et suivant la répartition des données que vous avez et les recherches que vous faites, bah ça peut être intéressant du coup de n'indexer qu'une partie. Voilà, donc ça se termine sur toutes les recommandations et sur comment bien indexer les données. Quoi d'autre, juste si ça vous intéresse et que vous voulez aller un peu plus loin,
L'index dont on a parlé là aujourd'hui, c'est l'index Baitri, qui est l'index le plus utilisé. Il y a plein d'autres types d'index qui peuvent être utilisés pour plein d'autres use cases. En Postgres, il y a les index Gin, il y a les index Gist, il y en a plein d'autres. Donc la doc est assez bien faite. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller la consulter. Ça vous permettra de voir un peu quels sont les use cases qui peuvent être adaptés à d'autres types d'index et comment ça fonctionne. Il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est tout ce qui est index d'unicité. Quand vous créez un index, en fait, vous pouvez rajouter une contrainte ici qui va être unique, qui va faire en sorte que les valeurs que vous indexez, elles vont forcément être uniques. Donc le GBD va s'assurer, par exemple, ici, que mon external ID, il est unique. Et en fait, faire ça, ça va permettre à votre SGBD d'augmenter un peu les performances quand il va faire sa recherche dans son index. Parce qu'en fait, dès qu'il va trouver une ligne qui correspond à l'external ID que je recherche, il va savoir qu'il n'y en a qu'une seule. Et du coup, il ne va pas avoir besoin de faire l'index scan range plus loin parce qu'il sait qu'il a trop identifié la ligne et qu'elle est unique. Donc, si vous avez des contraintes d'unicité fonctionnelles, je vous invite à créer les index avec ta contrainte d'unicité. Comme ça, ça permet encore d'améliorer les performances et en plus, ça assure la cohérence dans votre base de données. Un autre truc dont je n'ai pas parlé du tout, c'est la valeur nulle. La valeur nulle, elle peut être indexée au même titre que n'importe quelle valeur. Donc, quand vous créez vos index, si vous avez des valeurs nulles dans votre colonne, ça va être indexé au même titre que n'importe quelle autre valeur. Alors ça, c'est vrai, au moins dans Postgres. Ce n'est pas vrai dans Oracle, par exemple. Oracle, il ne sait pas indexer les nuls. Du coup, il y a des workarounds quand vous voulez indexer des valeurs qui sont nulles. Mais sous Postgres, en tous les cas, vous pouvez indexer les nuls et pas vous préoccuper de quoi que ce soit. Ça fonctionne comme n'importe quelle autre valeur. Et quand vous faites des tris, donc des order by par exemple, vous pouvez spécifier si les nuls ils sont en premier ou s'ils sont en dernier. Donc si vous le considérez comme la plus grande valeur ou la plus petite valeur, grâce à nul first et nul last. Et c'est pareil dans vos index. Quand vous créez vos index sur des colonnes qui peuvent être nulles, vous pouvez lui dire si vous voulez que dans le tri de l'index, ce soit les nuls en premier ou les nuls en dernier. Enfin, dernier point, quand vous faites des tests pour vérifier si vos index ils sont bien utilisés ou s'ils sont mal utilisés, les conditions de test sont super importantes. Le premier truc, c'est que le volume de données, ça impacte beaucoup les performances. On l'a vu tout à l'heure, si les tables sont toutes petites, l'index ne va pas forcément être utilisé. Si elles sont grosses, l'index peut être utilisé. Donc en fait, testez toujours sur des données de production, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir un truc le plus représentatif possible de votre plan d'exécution dans la vraie vie. La charge du système, ça impacte aussi les performances. Donc pensez vraiment à stress-tester vos requêtes et à faire en sorte qu'elles s'exécutent sur un serveur qui est le plus chargé de manière similaire à ce que ça va être en production. Pareil, je pense que vous l'avez compris, mettre des index corrects, c'est beaucoup plus efficace que d'augmenter la taille des machines de votre base de données. Vous pouvez augmenter la taille des machines, ça va augmenter les performances, mais à un moment, ça va vous coûter très cher et vous allez arriver à un plafond de verre parce que votre machine va être trop grosse et que vous n'allez plus pouvoir augmenter. Avoir un index bien construit et correct, ça va vous permettre de gagner énormément en efficacité, même si vous avez énormément de données. Enfin, dernier point dont je n'ai pas trop parlé, avoir un SSD plutôt qu'un disque mécanique, ça vous permet d'augmenter beaucoup et drastiquement les performances des selects. Parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, des fois, vous avez des données qui sont chacune à un bout du disque. Et avec un disque mécanique, quand votre base de données elle va se balader dans votre index et récupérer les row ID qui correspondent à chacune de vos lignes, si vous en avez une à un bout du disque et une à l'autre bout du disque, la tête de lecture du disque va devoir se balader sur le plateau d'un bout à l'autre du plateau. Vous allez perdre beaucoup de temps. Avec un SSD, vous n'avez pas le problème. Les accès sont constants. Et du coup, peu importe où est votre donnée, vous allez pouvoir l'indexer sans avoir cette perte de temps mécanique. Et en fait, Postgres, il a des coûts qui sont paramétrables. Il sait que d'accéder à tel endroit du disque ou d'accéder à tel endroit du disque, ça va lui coûter tant. D'accéder séquentiellement à plein de données qui sont localisées au même endroit, ça va lui coûter tant. Et c'est des coûts qui sont paramétrables si vous voulez tweaker un peu la façon dont se comporte le SGBD. Voilà, donc ça va être tout pour cette présentation. Tout ce que je vous ai dit, je ne l'ai pas inventé. La plupart de ce que je vous ai dit, ça sort de ce livre-là, qui s'appelle SQL Performance Explained, qui a été créé par Marcus Winand. S'il y a un livre sur le SQL que vous devez lire dans votre vie, de mon point de vue, c'est celui-là. Il est vraiment intéressant. Il fait que 250 pages, je crois, donc c'est assez rapide, mais ça résume vraiment bien tout ce qu'on vient de se dire. Le même auteur a fait deux blogs qui sont assez intéressants aussi. Le premier s'appelle Use Index Look. Il rentre plus en détail sur la pagination et sur toutes les problématiques qu'on a de pagination que je vous ai un peu présentées. Et le second, Modern SQL, donne un peu plus de détails sur tout ce qu'on peut faire en SQL et vous donne une bonne vision d'ensemble de ce qui est possible avec SQL. Ouais, je vous remercie pour votre attention.
Je pense qu'on a un peu de temps du coup pour les questions si vous en avez sur tout ça. Merci Nelson. Donc, tu as eu déjà pas mal de très bons commentaires sur ta présentation dans le chat. Et merci au chat pour toute cette animation. Crois-moi, si tu l'aurais en visu, tu aurais eu beaucoup de mal à rester À concentré. suivre. Bon, bah, j'ai bien fait de me concentrer sur la présentation. Donc, tu as les merci qui sont en train d'apparaître des différentes personnes. Du clap Super. Clap. Alors, juste avant de commencer les questions, est-ce que tu pourras fournir le lien des diapos après? Oui, bien sûr. Ouais. Parce que les personnes ont vraiment trouvé de très bonne qualité. Donc, c'était une question de niveau. Tu pourras par Ouais, exemple bah, les avec mettre sur plaisir. le Slack Codeur en scène, sur le rendez-vous sur le channel 2020. Ouais, parfait. Je fais ça, ouais, pas de souci. Alors, il y a pas mal de questions. On va essayer d'en regrouper un maximum. On va commencer par les simples sur tout ce qui est outils. Alors, est-ce qu'il y a une application meilleure que PGAdmin pour gérer des bases de données de type PostgreSQL? C'est un peu à la lisière du sujet, mais ça peut intéresser pas mal de monde. Alors, ce que je vous ai montré moi dans la présentation là, celui-là, c'est le client en ligne de commande qui est PSQL pour le coup, qui n'est pas PGAdmin. Moi, en réalité, j'utilise que ça. Je suis moins fan des outils graphiques. À part PGAdmin, non, honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'il y a de mieux. Je sais que si celui que j'utilise quand même, c'est le plugin IntelliJ Database. Qui est la même chose que DataGrip, je crois, qui est le logiciel juste base de données qui est édité par JetBrain aussi, que je trouve pas mal fait, qui permet de formater les queries plus facilement, t'as pas mal d'autocomplétion dessus. Donc si je devais en recommander un graphique, c'est plutôt soit le plugin d'IntelliJ qui s'appelle Database, soit DataGrip, qui est l'équivalent du plugin sans IntelliJ, que je trouve plutôt pas mal fait. Mais honnêtement, la plupart du temps, je me connecte directement sur les serveurs. Du coup, je le fais en ligne de commande avec le client PSQL. Alors, dans le chat, on a une réponse avec TodeSQL. Cette personne ne doit pas être toute jeune pour répondre ça, parce que j'ai connu, mais il y a 15 ans, quelque chose comme ça. Je connais pas. Et pareil, alors c'était TodeSQL, c'était quand tu faisais du Oracle, de toujours en faire du Oracle. C'était un des outils avec les mieux en 2004. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que tu as un conseil d'outil pour visualiser facilement les bitrees et pour mesurer le parcours d'un arbre? Pour me avoir le parcours d'un arbre le plus optimisé. Oui, est-ce que je peux juste répéter le début de ta phrase parce que je suis pas sûr de l'avoir compris. Non. Ah, excuse-moi, j'étais un peu vite. Est-ce que tu conseilles un outil pour mieux visualiser les bitrees? Et en Ah oui, gros, ok. pour mesurer le parcours d'un arbre pour avoir le plus optimal. Ouais, alors non, j'ai pas d'outil graphique pour ça. Par contre, suivant les SGBD, dans le plan d'exécution, tu as plus ou moins d'informations sur le coût de chacune des étapes au moment du scan de l'index. Dans Postgres, tu as assez peu d'infos. C'est-à-dire que tu as le coût de toutes les étapes qu'on a vues dans l'index, donc le parcours de l'arbre plus l'index scan range, c'est regroupé en une seule étape dans le plan d'exécution. Par contre, dans Oracle, par exemple, quand tu affiches le plan d'exécution, il va te détailler, par exemple, le coût du parcours de l'arbre et le coût du index scan range. Et du coup, tu vas pouvoir voir un peu quelles sont les étapes qui prennent du temps dans ton parcours d'index. Mais ce qui va donner le plus d'indications, c'est le coût, en fait, dont j'ai pas trop parlé là dans le plan d'exécution. Mais pour chacune des étapes associées, en fait, tu vas avoir un coût qui va te représenter un peu bah, est-ce que c'est coûteux ou pas d'effectuer cette opération. Et si tu vois que le coût est élevé sur un scan d'index, il y a de grandes chances que ce soit parce que ton index scan range il est élevé. Ah, peut-être des outils qui existent pour ça, c'est possible, hein, des outils graphiques qui te permettent d'avoir plus ça en détail, mais j'en connais pas. Alors, on continue dans les outils pour la dernière question sur les outils, une question de Nivi. Existe-t-il des fonctions internes des SGBD ou logiciels tiers pour nous déterminer en fonction de ce qu'on veut de notre contexte, taille mémoire alloué par les SGBD, quantité de données dans les SGBD? S'il est plus intéressant de faire des index ou non en fonction de l'algorithme que le SGBD va utiliser? Alors, en gros, il veut une IA pour nous dire quoi faire dans mon contexte pour optimiser la requête. Ouais, alors c'est pareil, j'en connais pas, mais ce que tu décris, ça ressemble beaucoup à ce que fait le SGBD en lui-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Query Planner, qui est celui qui calcule justement le plan d'exécution de ta requête. En fait, il fait exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'il prend un maximum d'informations sur la requête, mais aussi sur ce qu'il y a dans la table. En fait, lui, pour prendre ses décisions sur savoir quel algo il va utiliser, est-ce qu'il va utiliser un index ou est-ce qu'il va pas utiliser un index, il a des statistiques sur ta table.
Donc, il va savoir, par exemple, que ta table order, il y a environ 10 000 lignes dedans ou 10 millions de lignes. Il va savoir que ta colonne Customer ID, elle a telle répartition, c'est-à-dire que j'ai, par exemple, 70% de mes customers qui sont les mêmes et 30% des customers qui sont distincts ensuite. Il a plein de statistiques comme ça qui vont lui permettre justement de faire les choix les plus éclairés possibles en fonction de ce que tu lui demandes. Et du coup, c'est vraiment ce que fait le Query Planner. Ce que tu décris, c'est vraiment ce que fait le Query Planner. Donc, je pense que le meilleur outil, justement, pour ça, c'est de faire confiance au Query Planner, de lui demander son plan d'exécution et à partir de ça, voir si tu peux indexer ou pas pour l'aider et pour améliorer les performances à partir de ça. Mais pareil, encore une fois, il y a peut-être des outils qui existent et qui font ça aussi, mais j'en connais pas. Le boulot du Query Planner est très complexe, donc je ne sais pas s'il y a d'autres outils qui ont été réimplémentés à côté justement pour faire un peu le même boulot. Donc là, dans le chat, il y a Caspou qui répond que pour SQL Server, il y a Management Studio qui permet d'analyser les requêtes en direct, de donner les indices sur le coût des requêtes et tout ça. D'accord, pour SQL Server. Je ne connais pas du tout. Ok, donc on va passer plus aux choses sur le fonctionnement interne, donc en montée d'un niveau. Entre-temps, je vais prendre 2, 3, 1 ou 2 trolls qui passaient. Il y a Transat qui demande s'il doit connaître les algorithmes pour manipuler les logarithmes pour manipuler les index. Parce que sinon, il préfère manipuler son pouce. C'est plus simple. Pour te donner le niveau très élevé, et encore, ils ont beaucoup filtré l'oreiller, Yann. Je suis nul en maths, donc pas besoin de connaître les logarithmes, je pense. Alors, sur le fonctionnement interne, par rapport aux premiers exemples, tu as fait différents exemples de requêtes au début, il y a pas des notions de cache dans Postgre qui fait que 2 requêtes successives, ton résultat est complètement dépendant de l'index. Ouais, il y a des notions de cache dans Postgres qui permettent justement d'optimiser encore plus les requêtes. Donc potentiellement, des fois, en fait, il va être capable d'aller réutiliser le cache pour encore augmenter les performances. C'est l'intérêt de réfléchir à comment les données sont disposées dans votre index et comment elles sont disposées dans votre table. Parce que, en fait, dans votre index, les données, elles sont contiguës. Comme c'est trié, les données sont contiguës. Et du coup, quand vous passez par votre index, il va pouvoir mettre tout un bloc de l'index en cache. Et potentiellement, ce bloc-là de l'index, il va être suffisant pour votre requête si vous la réexécutez une deuxième fois. Il va avoir besoin juste de récupérer ce bloc-là et le mettre en cache. Quand c'est dans votre table, comme vos données ne sont pas triées, potentiellement, les données, elles viennent de plein de blocs différents. Et du coup, il va mettre ces blocs en cache, mais il ne va pas avoir la place de mettre tous les blocs en cache. Et du coup, bah, ça va être encore moins performant parce que bah, votre cache, il ne va pas être optimisé au maximum, enfin utilisé au maximum. Du coup, oui, il y a des mécaniques de cache et elles sont encore mieux utilisées à partir du moment où vous utilisez les index. Parce que comme vos données sont contiguës, il va pouvoir mettre en cache normalement ce qui va vous resservir pour la requête suivante si c'est la même. Okay. Deuxième question, donc elle est un petit peu longue, elle est aussi de Nivi, donc je vais essayer de la lire au mieux. Du coup, si j'ai bien compris, pour savoir si tu utiliser un index ou non, le SGBD va faire des sortes de calculs qu'il va devoir charger en mémoire pour correspondre à un pourcentage plus élevé de la table. Mais du coup, si c'est pas lié à la mémoire qu'on attribue au SGBD, comment ça fonctionne? Et quelle est la moyenne en quantité de mémoire des serveurs SGBD? À partir de combien d'enregistrements peut-on considérer qu'il peut être intéressant de mettre un index en dehors du facteur de la spécificité du projet? En gros, du coup, lecture, écriture. Ok. Est-ce que tu répètes les trois parties? Toutes les parties de la question. Ouais, je veux bien que tu fasses un petit récap des trois parties. La première partie, c'est si le GBD détermine s'il utilise l'index ou la mémoire, est-ce que le fait de mettre des index n'est pas lié à la mémoire qu'on attribue au GBD? Ouais. Alors, oui, ça fait partie des critères que lui, il regarde. Quand le Query Planner en fait va calculer le temps d'exécution, ça fait partie des critères qui rentrent en compte. Donc il n'y a pas que le fait que tu aies un index, que tu n'aies pas d'index qui rentre en compte. Tu as aussi le fait la mémoire qui est dispo. Est-ce que il va pouvoir faire un hash join par exemple avec la quantité de mémoire qu'il a dispo ou pas? Ça va lui permettre de favoriser un algo ou l'autre. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est capable d'utiliser plus de mémoire que ce que tu lui as alloué, mais il va écrire sur disque pour le faire. C'est-à-dire que si par exemple il a un algo qui lui demande de, par exemple, un hash join qui lui demande de tout charger en mémoire et qu'il n'a pas assez de mémoire, il va pouvoir le faire quand même avec un mécanisme de swap et il va pouvoir stocker ce qu'il devrait stocker en mémoire sur le disque. Mais du coup, ça va vraiment détériorer les performances
parce qu'à ce moment-là, quand tu écris sur disque, c'est forcément moins performant que quand tu écris en mémoire. Et du coup, il va considérer que le coût du hash join dans ce cas-là est beaucoup plus élevé que ce qui serait si tu pouvais tout mettre en mémoire. Donc oui, le paramètre que tu, enfin la mémoire disponible pour le SGBD, c'est un des paramètres qui rentre en compte, entre autres, dans le calcul du plan d'exécution. Et après, je vais faire la réponse de Normand, mais quelle est la moyenne en quantité de mémoire que les serveurs SGBD devraient avoir? Normand, je te répondrai, ça dépend. Ouais, j'ai fait à peu près la même réponse, je suis Normand aussi. Non, ça dépend vraiment de la quantité de données que tu as dans tes tables. Le meilleur moyen de t'en rendre compte, et je pense que ça va être aussi la réponse à la troisième partie de la question, c'est de tester sur des données de prod en fait. C'est de tester tes plans d'exécution sur des données de prod, de regarder quel type d'algo il utilise et surtout quel temps de réponse tu as. Et si les temps de réponse sont pas satisfaisants, regardez les index que tu peux mettre. Et si tu te rends compte que, en fait, il écrit sur disque, c'est que tu n'as pas assez de mémoire. Et tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où il écrit sur disque parce qu'il a considéré que c'était le plus performant. C'est que tu n'auras pas de meilleure solution que d'augmenter la mémoire à partir du moment où tu as bien indexé parce qu'il n'a juste pas assez de mémoire pour faire le boulot que tu lui demandes de faire. Oui, la dernière question, c'est pas de combien d'enregistrements il peut être intéressant de mettre un index. Ouais, ça du coup, même réponse. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand même, quand tu as très peu de données dans ta table, de toute façon, il ne va pas utiliser l'index. Mais c'est pareil, ça faut le valider de manière empirique, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu testes sur tes tables les temps de réponse. La réalité, c'est que si tu n'as pas de problème de performance, ça ne sert à rien de mettre des index pour l'instant, tant que tu n'as pas de problème. Et au fur et à mesure, quand tu vas voir que ton volume grandit et que tu as des problèmes de performance, là, tu peux commencer à mettre des index. Mais c'est dur de dire à l'avance à partir de quand ça va être utile, parce que ça dépend beaucoup de tes requêtes aussi. Si tu recherches sur la majorité de la table tout le temps, ton index il va jamais être utilisé. Ça dépend beaucoup de la répartition de tes données aussi. Si toutes tes commandes ont le même customer ID pour tout le monde, sauf une commande, il va jamais utiliser l'index non plus tant que tu cherches sur le customer ID qui est le plus présent. Donc faut le valider de manière empirique. Si je dis pas de bêtises, Postgres en général, si tu as 100 ou 1000 enregistrements, je pense qu'il n'utilise pas l'index quoi qu'il arrive. Quand tu arrives au-dessus, c'est possible qu'il commence à l'utiliser. Donc, il faut vraiment le valider en faisant des tests avec des vraies données. Ok, petite question de transition. Est-ce que caster en texte, c'est du castex? Pas mal, pas mal. Voilà, c'était de transcrire le niveau. On revient sur la partie sérieuse, donc plus sur les usages. Donc là, c'est la grosse, grosse partie. Après, je vais voir les questions qui ont été rajoutées entre-temps. Alors, ça, je ne sais pas si c'est un troll ou si c'est une question. Comment choisir entre un index ask et un index desk? On va dire que ce n'est pas un troll et du coup, ça va dépendre de pas grand-chose en fait. Ça ne change pas grand-chose si tu indexes qu'une colonne parce que comme je disais tout à l'heure, la liste elle est doublement chaînée dans ton index. Du coup, tu peux le parcourir dans un sens et tu peux le parcourir dans l'autre. Du coup, peu importe que tu indexes par ordre ascendant ou par ordre descendant, ton SGBD va s'en sortir. Pour lui, c'est pareil. Là où ça peut avoir un intérêt, c'est si tu as un index concaténé, donc un index sur plusieurs colonnes, et que tu tries par exemple sur la première colonne par ordre croissant et sur la deuxième colonne par ordre décroissant. Là, dans ton index, si tu veux qu'il s'en sorte, il va falloir que tu indexes ta première colonne par ordre croissant et ta deuxième colonne par ordre décroissant, ou l'inverse, ta première colonne par ordre décroissant et ta deuxième par ordre croissant. Mais si tu indexes les deux par ordre croissant ou les deux par ordre décroissant, en fait, ton ordre ne va pas être bon. Il va être bon pour la première colonne, mais pas pour la deuxième, ou inversement, et ta base ne va pas s'en sortir. Du coup, si tu fais du tri sur plusieurs colonnes et que ton tri il n'est pas tout le temps croissant ou tout le temps décroissant, là, ça peut avoir du sens de spécifier l'ordre dans lequel tu indexes, justement pour que ton index puisse être utilisé dans ta requête. Du coup, comme le dit Caspou, il n'y a pas de pitié pour l'ordre décroissant. Voilà. Et du coup, je m'excuse Arnaud, j'avais un préjugé sur ta question, mais c'était une très bonne question. Quatre questions de Nivi. Rapides, quels sont les inconvénients des index? Première question, rapide. Ouais, alors, donc les deux inconvénients principaux qu'on a vus, c'est ceux que j'ai cités juste avant. Le premier, c'est que ça te ralentit tout ce qui est insert, update, delete. Donc, toutes tes requêtes de mise à jour, tu fais le boulot en double. Donc, à chaque fois que tu mets à jour ta table, tu mets aussi à jour ton index. Ça te fait que tes performances sont dégradées du coup sur l'insert, update et delete. Et le deuxième, c'est l'espace disque que ça te prend. Parce que comme c'est une copie des données, à chaque fois que tu mets des données dans ta table, tu les mets aussi dans l'index et il faut le stocker quelque part. Donc, tu stockes ça sur disque et du coup, tu stockes des données en plus. Donc, tu as besoin de plus d'espace disque.
Donc, c'est vraiment la recommandation que je donnais tout à l'heure. C'est surtout si vous n'avez pas besoin d'indexer, n'indexez pas parce que bah, il y a quand même des inconvénients aux index. Donc, la bonne pratique, c'est surtout pas d'indexer toutes les colonnes parce que ça va être plus contre-productif qu'autre chose. Donc, ça répond à ta deuxième question, Nivi, de pourquoi il ne faut pas en abuser. Voilà. Que se passe-t-il si on fait un index sur une colonne A et un autre index sur une colonne B et qu'on fait une requête qui contient les deux? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, le SGBD, il est malin. Dans le sens où il est capable d'utiliser plusieurs index pour ses requêtes, il est capable de les combiner et de merger les résultats. Ça, encore une fois, c'est le query planner qui choisit ce qui est le plus efficace. Des fois, il va utiliser que le premier index, il va faire un sequential scan sur la deuxième table. Des fois, il va te combiner les deux. C'est lui qui choisit ce qui est le plus efficace, mais il est capable d'utiliser les deux. Il est capable de le faire quand tu fais du AND et quand tu fais du OR. Donc, dans les deux cas, il est capable de le faire. Après, si tu fais toujours du AND sur les deux mêmes colonnes, ça reste plus efficace de faire un seul parcours d'index, donc d'avoir un index concaténé sur tes deux colonnes. Donc, dans tous les cas, si tu sais que tu vas rechercher toujours sur tes deux colonnes ou toujours que sur la première colonne de ton index, il vaut mieux faire un index concaténé. Ça ira toujours plus vite que faire deux parcours d'index. Mais si tu as deux index sur deux colonnes distinctes, il est quand même capable de s'en sortir, même si c'est un tout petit peu moins performant qu'un seul parcours d'index. Ok, merci. Et en gros, dernière question qui va être utile pour notamment pour les débutants. Les index concernent-ils uniquement les BDD relationnels? C'est une bonne question. Alors, je connais moins les autres bases de données. Pour moi, le principe des bases de NoSQL, si on prend du Elasticsearch par exemple, c'est que c'est stocké un peu différemment et c'est un peu un index en tant que tel que c'est stocké. Je m'aventurerai pas plus dans la réponse parce que je connais pas assez pour donner plus de détails. Mais je sais que la façon dont c'est stocké est vraiment très différente. Et les mécaniques de recherche sont assez différentes. Donc enfin, les principes d'indexation fonctionnent en tous les cas pas de la même façon que tout ce que j'ai décrit là. Mais par contre, ce que je peux confirmer, c'est qu'il y a des index, MongoDB, etc. Il y a des index, et si tu ne les utilises pas ou si tu les utilises trop, tu as des impacts D'accord. négatifs ou positifs. Donc, tu as les mêmes travaux. Après, voilà, ce n'est pas les mêmes ergos qu'un projet. Alors, maintenant, ça va aller un peu plus du côté de la programmation. Est-il possible, une question de Zouer Maxami, est-il possible d'indexer les index avec des frameworks comme Spring Data? En principe, oui, mais le truc le plus important, c'est possible d'utiliser des index avec des requêtes complexes. Par exemple, plusieurs entités qui sont liées. Ouais, alors, donc quand tu utilises des frameworks, si le Spring Data JPA, donc du Hibernate derrière la plupart du temps, à la fin, tu finis avec une requête SQL, quoi qu'il arrive, peu importe le framework que tu utilises, la base, elle, ce qu'elle voit, c'est une requête SQL. Du coup, en fait, ça va être une requête SQL assez standard et elle va pouvoir utiliser les index, ou pas d'ailleurs, en fonction de tout ce qu'on a vu avant. Mais oui, elle va pouvoir utiliser des index. Si tes requêtes sont complexes, avec plusieurs entités justement qui sont jointes, bah ça correspond à des jointures en SQL. Du coup, tu vas pouvoir l'aider en indexant les jointures comme on l'a vu dans la présentation. Donc oui, c'est faisable. Le truc souvent, c'est que bah, avec tous ces frameworks-là, t'as pas trop la main sur la requête en sortie. Donc, faut vraiment faire attention aux requêtes qui sont générées et faut essayer de fetcher un minimum de choses si t'as pas besoin de tout fetcher. Faut essayer, comme je disais tout à l'heure, par exemple, d'updater le moins de colonnes possible si t'as pas besoin de tout updater, parce que tu as des effets de bord que tu vois pas trop en fait avec tous ces frameworks-là et t'as pas vraiment la main pour générer la requête pile poil comme toi tu la veux. Donc, ça complexifie un peu le boulot de la base parce qu'en général les requêtes sont un peu plus complexes que ce qu'elles pourraient être, mais normalement il est capable de s'en sortir au même titre que n'importe quelle autre requête qui peut être écrite à la main. En restant du côté des ORM et tout ça, une question de Darkstory 777, est-ce qu'il y a des ORM qui gèrent mieux les index de base? C'est une bonne question, j'en sais rien du tout. J'ai principalement utilisé Hibernate, moi. Je sais qu'avec Hibernate, c'est un peu ce que je décrivais juste avant, c'est que t'as pas tout le temps la main sur la requête que tu génères exactement. Donc, des fois, ça te génère une requête qui est pas exactement ce que t'attends et qui du coup matche pas avec l'index que t'as créé. La question, en fait, c'est surtout est-ce que t'as la main, à quel point tu peux avoir la main pour tweaker la requête qui est générée par l'ORM. Donc, je sais pas comment ça se passe dans les autres ORM, mais en tous les cas, je pense que c'est surtout ça qu'il faut regarder. C'est est-ce que tu peux facilement customiser la requête qui est générée ou pas, pour que ça se génère pile poil le where que tu attends, pile poil les colonnes updatées que tu attends, et pile poil les colonnes que tu veux dans ton select. Il y a une pré-réponse de Arnaud de Wixi Web.
Il demande, c'est des ORM qui gèrent tout court. Donc, je laisse ça prononcer. Et de c'est mon côté, j'irai Timmy Baptiste, parce que du coup, tu peux contrôler ta requête. Ouais, par exemple, ouais. On va revenir à une question de Caspou qui demande à quid des UUID pour les primary key. Ouais, ok. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est pas une bonne idée? Alors, UUID, c'est ouais, le principe, c'est que du coup, tu génères un ID qui est universellement unique d'après le nom. Donc, en fait, ça génère une chaîne de caractères de je sais plus combien, on est en hexa, mais qui doit faire je sais plus combien de caractères, mais beaucoup. Tu peux l'indexer, un UUID, sans problème. C'est plutôt considéré comme une bonne pratique, justement, d'utiliser des UUID comme clé primaire plutôt que d'utiliser des ID séquentiels qui viennent d'une séquence. En termes de performance, c'est pas trop gênant, c'est-à-dire que le SGBD, il arrive à les indexer simplement et à retrouver de la data rapidement sur des colonnes qui sont de type UUID. Donc ça, il s'en sort sans problème. Donc en termes de performance, c'est bien. Et l'avantage que ça a, c'est que bah déjà, tu ne prends pas la tête avec une séquence. En théorie, quand tu génères un UID, il est unique. Il n'y a que toi dans le monde qui l'a généré. Et du coup, tu es quasiment sûr d'être unique. Et du coup, si un jour, tu as des données à merger, si tu veux rassembler deux tables, par exemple, des données qui sont dans deux tables, bah, tu n'as pas trop besoin de te prendre la tête avec tes ID séquentiels qui vont se recouper ou tu vas avoir des doublons entre tes deux tables. L'avantage des UID, c'est que du coup, tu es sûr d'être unique, même entre les deux tables. Du coup, ça facilite toutes ces opérations-là derrière. Donc, en termes de performance, utiliser un UID, ça s'indexe très bien, au même titre qu'un int s'indexe, au même titre que du texte s'indexe. Donc, c'est plutôt, ouais, de mon point de vue, ça fait plutôt partie des bonnes pratiques quand c'est faisable. Très bien. Une autre petite question rapide de Arnaud. Est-il plus rapide de rechercher un seul résultat en utilisant un limit 1 si le champ est de type unique? Je ne me suis jamais posé la question. J'aurais tendance à dire que si ton champ, enfin si tu as une contrainte d'unicité, je pense que ça ne change rien. Parce que justement, ton SGBD, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu as ta contrainte d'unicité, il est capable d'arrêter en fait son index scan range dès qu'il a trouvé un résultat, parce qu'il sait qu'il a la contrainte d'unicité. Du coup, je pense qu'il va avoir exactement le même comportement que quand tu mets un limite 1, qui lui dit de s'arrêter dès qu'il a trouvé un résultat. Donc ton limite, je pense, sert si tu n'as pas de contrainte d'unicité pour le coup. Explicite, même si fonctionnellement c'est unique, si tu n'as pas de contrainte d'unicité explicite, ton limite va te permettre de gagner du temps parce que ton scan d'index va s'arrêter plus tôt, du coup, dès qu'il va retrouver un résultat. Par contre, si tu as la contrainte d'unicité, je pense que ça ne change rien du tout en termes de performance. Merci. Et je reviens vite fait sur les UUID. C'est une question qui a popé entre temps. Est-ce qu'un UUID, c'est pas un peu gros pour avoir des int? C'est pas un peu gros pour des int? Par rapport à des int. Ah oui. Ouais, c'est un peu plus gros que des int. Après, en termes de, enfin, j'ai pas de benchmark très précis, mais je sais qu'en tous les cas sur Postgres, on a testé pas mal justement sur des UUID parce qu'on en utilise pas mal dans nos tables en production et on n'a jamais eu de souci de performance. Donc, je saurais pas dire quelle est la différence de performance entre indexer des int et indexer des UUID, mais en tous les cas, ça va être assez minimal parce que on l'a jamais notifié, mais en tous les cas de manière notable. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir énormément de données. Et pour que tu notifies vraiment une différence, mais honnêtement, nous, ça nous est jamais arrivé. Ça nous a toujours paru assez safe et performant d'utiliser des UUID. Et il y a Casfou qui lui a répondu que ça va être un peu plus gros dans l'indexation, mais il n'y aura pas de souci de limite et tu n'auras pas moins de problèmes de merge, moins de soucis d'idées dupliquées, d'auto-incrément pour les attaques de sécurité et tout ça. Oui, c'est vrai que c'est un bon point aussi pour la partie sécurité, oui. Je continue. On est dans. Alors, il doit rester. Ah oui, non, il y a du volume de questions qui a été rejeté entre temps. Je vais accélérer un peu. Dans l'ordre des colonnes, est-ce que l'ordre des colonnes a une importance quand on crée un index avec deux colonnes? Ouais. Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure. Quand tu crées un index avec deux colonnes, donc tu vas pouvoir rechercher sur ces deux colonnes en même temps. Ton SGBD va pouvoir utiliser ton index pour rechercher sur tes deux colonnes en même temps. Il va pouvoir aussi utiliser ton index pour rechercher uniquement sur la première colonne. Donc, si tu crées l'exemple de tout à l'heure, je crois que c'était un index sur d'abord Customer ID et ensuite la date de création de ta commande. Si tu recherches uniquement par Customer ID, ton index concaténé va pouvoir être utilisé parce que c'est la première colonne et que la première colonne, elle est triée. Par contre, tu ne vas pas pouvoir rechercher uniquement par la deuxième colonne en utilisant ton index.
parce que ton tri, il n'est pas fait de la même façon sur la deuxième colonne. Et du coup, tes données ne sont pas toutes triées dans la deuxième colonne. Donc, l'ordre est vachement important, justement, en fonction de, bah, des requêtes que tu fais. Si tu recherches sur les deux colonnes tout le temps, on se fiche un peu de l'ordre. Si tu recherches sur les deux colonnes souvent et qu'en plus, tu recherches sur une des deux colonnes de temps en temps, il faut que tu fasses gaffe à l'ordre dans lequel tu crées ton index, justement, pour mettre la première colonne, que ce soit celle sur laquelle tu recherches uniquement sur cette colonne. Ensuite, comment le SGBD sait qu'il va retourner une grande partie de la table avant même d'avoir fait la requête ? Question de Théo. Ben c'est là où il est fort. C'est là où il est fort et il le fait avec les statistiques dont je parlais tout à l'heure. En fait, il a des routines, le SGBD, qui tournent régulièrement et qui vont en fait analyser les tables. Il va analyser plein de choses dans les tables. Il va analyser le nombre de lignes qu'il y a dans la table. Il va analyser quel est le type de données qu'il y a dans la table. Il va analyser comment tes données sont réparties. Est-ce que, par exemple, tu as beaucoup de variations, si c'est une colonne texte, par exemple, est-ce que tu as beaucoup de fois des répétitions, beaucoup de fois la même valeur, est-ce que tu n'as pas beaucoup de fois la même valeur. Il va faire des histogrammes, en fait, avec tout ça. Il va tout stocker dans des tables de stats à lui. Et en fait, il va se baser là-dessus pour savoir justement à l'avance si ta requête elle a grande chance de renvoyer beaucoup de résultats ou pas. Donc des fois, il peut se planter, c'est pas une science exacte, parce que les stats, elles sont pas tout le temps forcément à jour tout le temps. Elles sont pas assez détaillées pour que tu saches exactement combien de résultats ça va t'envoyer. Mais lui, il fait des estimations. Et en fait, ces estimations-là, tu le vois dans le plan d'exécution. Quand tu fais un explain, tu vas voir pour chaque étape combien de lignes il prévoit de te renvoyer. Donc encore une fois, ce n'est pas une valeur exacte, c'est basé sur des stats, donc il n'a pas toutes les infos, mais c'est ce à quoi lui s'attend, et c'est ça qui va être utilisé justement pour déterminer quel est le meilleur algo à utiliser en fonction de ce à quoi il s'attend. Donc ça, c'est fait de manière complètement asynchrone par Postgres, par exemple. Si tu veux le lancer à la main, il faut lancer la commande analyze, par exemple, sur une table. C'est un truc qui est important de savoir justement quand tu utilises des index, c'est que des fois, tu as l'impression que tout marche bien. Tu as bien fait ton index, tu as bien fait ta requête. Ça devrait utiliser l'index, mais ça ne l'utilise pas. Et des fois, la seule raison pour laquelle ça ne l'utilise pas, c'est que les statistiques, elles ne sont pas à jour. Soit il n'a pas eu le temps de les mettre à jour, soit il y a un truc qui a fait qu'elles n'étaient pas à jour. Et en fait, si tu veux tester en conditions réelles, ce que tu peux faire, c'est faire un analyze sur ta table. Donc, tu écris juste analyze order, par exemple, pour analyser ta table order. Et ça va demander au SGBD de recalculer ses stats pour la table order. Et là, potentiellement, après, tu peux lui redemander le plan d'exécution. Et peut-être qu'il aura changé parce que maintenant tes stats sont à jour et maintenant il va bien voir qu'utiliser ton index est plus performant que de ne pas l'utiliser. Donc c'est important de le savoir en fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais potentiellement si tu as un plan d'exécution que tu comprends pas, un des premiers trucs à faire c'est de faire un analyse sur la table pour être sûr que ça vient pas des stats qui sont pas à jour. Et ben c'est bien, ça va faire le lien avec les deux prochaines questions. Tu as parlé des index inutiles à supprimer. Est-ce qu'on peut, il y a des moyens d'avoir des statistiques sur la liste des index inutiles pour les supprimer ? Sans se faire un explain sur toutes les requêtes qui passent dans le GBD. Ouais. Alors, j'ai parlé uniquement pour Postgres parce que j'ai aucune idée dans les autres SGBD. Dans Postgres, je sais que tu as des tables. En fait, Postgres, il y a une notion de catalogue qui est un schéma à part, qui est toutes ces tables système. C'est-à-dire que toutes ces données en fait qui stockent, par exemple les statistiques et tout ce genre de choses, même le schéma des tables, etc., c'est stocké dans des tables qui sont dans le PG catalogue, entre autres. Et en fait, dans ces tables-là, il a des tables dans lesquelles il stocke aussi des statistiques sur les index. Et du coup, il stocke, alors je connais pas exactement la nature de toutes les infos qu'il stocke, mais je sais qu'il stocke, par exemple, combien de fois tu es passé dans ton index, combien de fois il a été utilisé. Enfin, il stocke pas mal d'infos, justement, qui vont te permettre de savoir à quel point ton index a été utilisé ou pas suivant tes requêtes. Et du coup, en faisant des selects sur ces tables-là, tu peux regarder un peu l'utilisation de tes index dans la vraie vie sans justement devoir taper les explains de chacune des requêtes. Donc oui, tu peux regarder en tous les cas dans ces tables système-là avec Postgres, tu peux le faire. Je crois que la doc est assez bien faite sur ces tables-là et ça t'explique pas mal ce que représente chaque valeur dans ces tables-là, oui. Donc Don Diego de la Vega, tu vas pouvoir faire ça dans Toad. Je ne sais pas si ça a marché sur Postgres, mais normalement tu peux le faire. Une question de notre Seb le cacheur national. Est-ce que les index que l'on crée influent sur le choix de l'algo de la SGDBR pour les order by et les group by? Et j'ai l'impression que tu as commencé à y répondre avec les statistiques tout à l'heure, donc c'est pour ça que je trouvais ça lié. Ouais. Oui, le fait de créer des index, ça peut potentiellement faire changer d'algo. C'est-à-dire qu'au début, si tu n'as pas d'index, il va choisir l'algo qui lui paraît le plus performant dans les conditions qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire sans index. Donc, il va prendre en compte les autres paramètres, la mémoire, la répartition des données, etc.
Et si tu crées un index, bah, ça change un des paramètres du coup qui lui permet de faire son choix. Donc du coup, potentiellement, le fait d'avoir créé l'index, ça va lui faire utiliser un autre algo. Donc en fait, quand tu vas regarder quel algo est utilisé pour ta jointure, par exemple, ou pour ton order by ou pour autre chose, faut te dire que si jamais tu crées un index, bah, potentiellement, il va switcher sur un autre algo parce que ton index aura fait en sorte que bah, l'autre algo soit plus performant. Donc c'est intéressant de savoir justement bah, les différents algos qui existent et de te dire que même si ce n'est pas forcément celui-là qui est utilisé à ce moment-là, le fait de créer un index, ça va peut-être le faire switcher dans un autre algo si tu indexes correctement l'autre algo. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Et potentiellement, tu peux lui faire switcher sur un truc plus performant si jamais tu mets un bon index. Et du coup, il y a Yann et Loré qui m'ont réindexé les questions. Et donc, il y a une question qui est liée. Alors, si pour une jointure, la SGBD utilise un algo, il n'y a pas un risque qu'elle choisisse un autre algo après avoir mis un index ? Si, justement, c'est un peu la même réponse. Oui. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois, il va falloir que tu essaies un peu d'indexer chaque algo et que tu vois lequel il choisit en fonction de ça pour voir ce qui est le plus performant au final. Donc, même s'il te fait, par exemple, un hashJoin, tu peux te dire, bah, est-ce que ce serait plus performant avec un nested loop join et indexer comme si c'était un nested loop join. Là, tu vois si le SGBD il passe sur un nested loop join, bah, tu te dis que tu as gagné parce que tu as réussi à lui faire un truc plus performant grâce à l'index. Sinon, bah, tu peux enlever l'index et c'était le hash join qui était plus performant. Ouais, et petit commentaire de Yvan Delmay, il savait que le hash join, ça faisait perdre la mémoire. Blague. Voilà. Ensuite, on continue. Tac. Est-ce qu'il y a une encore une question d'Univi, est-ce qu'il y a une taille des pages par défaut dans des SGBD? Elle est de combien? Faut-il la modifier en fonction de la mémoire qu'on alloue au SGBD? Ok, alors c'est une question à laquelle j'ai moins savoir répondre parce que je ne suis pas DBA, donc je ne sais pas exactement. Je crois qu'il y a une taille de page par défaut, ouais. Je ne la connais pas sous Postgres, mais je pense que oui. Après, je ne sais pas ce que ça donne si tu la modifies. Je sais que le SGBD fait en sorte, en tous les cas, que la taille des nœuds dans tes index soit le plus optimisée possible. Donc, quand est-ce qu'il recrée un nœud branche et quand est-ce qu'il va resplitter ton index en plusieurs nœuds branches, quand est-ce qu'il va rajouter un niveau, etc. Tout ça, c'est des calculs que lui, il fait en amont. Et il sait qu'à partir de tant de données, il va devoir splitter pour que ce soit le plus efficace possible. La taille des pages, par contre, physiquement sur le disque, je ne saurais pas répondre à la question. Très bien. Alors, une autre question de Dondigo de la Vega. Je vais être honnête, je n'ai pas suivi la partie où tu as dû parler de ça, mais quid des index couvrants? Ouais. Alors, j'en ai pas parlé du tout. Parce que ma présentation durait déjà assez longtemps et que j'ai viré cette slide. Il y a un concept qui est, enfin, ce qu'on appelle index couvrant, c'est des index qui contiennent toutes les données nécessaires pour répondre à la requête. Typiquement, si je fais une requête sur ma table order où je récupère l'ID de mon order et le customer ID de mon order et que je filtre sur le customer ID, en fait, si j'indexe mon ID et mon customer ID, j'ai toutes les données qui permettent de répondre à ma requête directement dans mon index. Du coup, en fait, ce que va pouvoir faire le SGBD dans ces cas-là, c'est qu'il va, pouvoir squeezer l'étape de accéder à la table pour chacun des row ID qu'il a identifié. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'index, il a toutes les données dont il a besoin d'indexer. Du coup, il fait juste le parcours de l'arbre et une fois qu'il a trouvé tous les 9 feuils qui correspondent au link qui doit être retourné, bah, à ce moment-là, il est capable de renvoyer directement les données parce qu'il a déjà tout dans son index. Donc ça, ça permet encore plus d'améliorer les performances parce que du coup, vous éliminez l'étape d'accéder à chaque ligne de la table. Donc c'est plutôt pas mal en termes de performance. Il y a un truc auquel il faut faire gaffe avec ça, c'est que des fois, par contre, c'est un peu contre-intuitif parce que si vous rajoutez un autre filtre à votre requête, vous rajoutez quelque chose d'autre à votre closeware qui va vous rajouter moins de résultats, qui va vous renvoyer moins de résultats, potentiellement, la colonne que vous rajoutez dans votre closeware, elle n'est pas dans l'index. Et du coup, là, vous allez rebasculer sur un scan d'index complet avec l'accès à votre table. Donc, potentiellement, le fait de rajouter une nouvelle colonne dans votre closeware, même si ça vous renvoie moins de résultats, ça va détériorer les performances de votre requête. Donc, c'est une bonne idée d'avoir un index couvrant à partir du moment où l'index n'est pas trop gros et que ça répond à tous les critères qu'on a dit avant. Par contre, faites juste gaffe si vous faites ça, c'est que potentiellement, rajouter d'autres colonnes dans votre closeware, ça va faire que votre index couvrant, il ne va plus être couvrant et du coup, il ne va plus être utilisé de la même façon. On continue. Une autre question de Don Hugo de la Vega. Est-ce qu'on peut indexer un champ de type JSONB, donc JSON binaire?
Ouais. Alors, oui, au moins en Postgres, je ne sais pas dans les autres SGBD, mais dans Postgres, tu peux le faire. Par contre, tu ne peux pas l'indexer avec un index de type B-tree. Les index que tu vas devoir utiliser pour ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est les index de type JIN et GIST, qui sont des index basés sur des trigrammes et des trucs comme ça, qui fonctionnent complètement différemment de celui que j'ai présenté aujourd'hui. Mais oui, tu peux les indexer et tu peux indexer des accès à des champs facilement. Ce que tu peux faire par contre avec des index B-tree, c'est que tu peux faire des index fonctionnels dont j'ai pas parlé non plus parce que ça prenait trop de temps, mais tu peux appliquer une fonction à ton index. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'indexer ta colonne, par exemple, au lieu d'indexer ta colonne Customer ID, tu vas pouvoir indexer le résultat d'une fonction sur ta colonne Customer ID. Le use case, ça peut être par exemple, tu veux indexer quelque chose en minuscule. Parce que tu vas vouloir faire des recherches case insensitive et que tu vas rechercher en minuscule tout le temps. Du coup, tu peux indexer le résultat de la fonction lower qui te passe en minuscule directement sur ta colonne. Et ce que tu indexes, c'est le résultat de ta fonction. Et tu peux faire pareil sur le JSON, en fait. Tu peux indexer, par exemple, l'accès à un champ. Si tu veux indexer la valeur de ton champ, je sais pas, tu as un champ qui s'appelle amount dans ton JSON, tu veux indexer la valeur de ce champ-là. Bah, avec un index B-tree, tu peux appliquer la fonction Postgres qui te permet d'accéder au champ amount. En Postgres, je crois que c'est tirer flèche flèche ou tirer flèche, suivant ce que tu veux faire. Tu peux indexer le résultat de cette fonction-là. Et du coup, quand tu vas faire une requête où tu vas filtrer, par exemple, sur les amounts qui sont supérieurs à 10, eh ben, tu vas pouvoir, enfin, le SGBD va pouvoir reconnaître que tu essaies d'accéder à un champ d'un JSON et que c'est la fonction que tu as utilisée dans ta requête qui correspond à la fonction de l'index. Et là, il va être capable de l'utiliser. Donc, si tu veux faire des recherches simples comme ça, qui sont indexables avec un B-tree, avec un index fonctionnel, tu peux le faire avec un index B-tree. Si tu veux faire des recherches plus complexes sur plusieurs champs d'un JSON et sur pas mal de trucs comme ça, là, tu vas avoir besoin d'index différents de type JIN ou GIST, par exemple. Okay, très bien. On arrive doucement vers la fin. Il reste quatre questions. Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur les index et les partitions? Question ouverte de Sébastien Lecacheur. C'est une bonne question. J'ai rien qui me vient en tête là comme ça. Il y a sûrement des trucs à Oui, savoir, on est en mais 3 heures maintenant, donc t'as le droit. là comme ça, j'ai rien qui me vient en tête. Tel que c'est fait en termes de partition, en fait, c'est un peu le même principe qu'avec les index quand vous faites des partitions. C'est-à-dire que physiquement, c'est comme si le SGBD il vous crée plusieurs tables. Si vous partitionnez par exemple par date, il va vous créer une table avec par exemple toutes les commandes qui ont plus de 2 ans, une table avec toutes les commandes qui ont plus d'un an et une table avec toutes les commandes qui datent de moins d'un an. Et en fait, lui, il va être capable, à partir de la requête que vous lui passez, par exemple, si vous filtrez sur la date, il va être capable de savoir que, bah, en fait, si vous filtrez sur une date qui a moins d'un an, il a besoin de faire son select que sur la partition qui a moins d'un an. Et du coup, c'est comme s'il faisait un select que sur la table qui contient les commandes qui ont moins d'un an. Et du coup, quand vous indexez, bah, ça va être un peu le même principe. C'est-à-dire que vous allez indexer, enfin, lui, derrière, il va indexer les différentes tables comme si c'était des tables distinctes. Après, je ne saurais pas dire exactement comment ça se comporte quand vous tapez sur plusieurs partitions. Je suis sûr qu'il y a plein de bonnes pratiques là-dessus pour bien indexer du coup dans ces cas-là, mais je ne les connais pas. Très bien, merci. Alors, question de Jalilarf. Comment le GBD fait pour savoir si la requête va retourner beaucoup de résultats avant de l'avoir exécutée? Ah, il y avait déjà eu la question avant, et entre parenthèses, il a mis order ID inférieur à 10 versus order ID supérieur à 10. Donc les stats du coup, la réponse c'est les stats qu'il a. Lui il sait comment sont répartis les IDs et il sait plus ou moins combien il y a d'IDs qui sont en dessous de 10 et plus ou moins combien il y en a qui sont au-dessus de 10. Et on continue. Est-ce qu'il y a un update sur une colonne dont la valeur ne change pas? Update tout domaine l'index. Ouais. Oui, au moins dans Postgres. Pareil, je ne sais pas dans les autres SGBD, mais tel que c'est implémenté dans Postgres, oui, il update la ligne et l'index. En fait, le Postgres se pose pas la question. Et quand tu fais un update, ça te renvoie le nombre de lignes qui ont été updatées. Quand tu fais un update, en général, tu récupères un int, par exemple, si tu fais ça avec un driver JDBC. Et en fait, c'est pas vraiment le nombre de lignes qui ont été réellement updatées, c'est le nombre de lignes qui ont matché ta clause where. Du coup, lui, il fait ça de manière un peu bête, c'est-à-dire qu'en fait, il va pas se poser la question, il va regarder toutes les lignes qui matchent à clause where. Et il va les mettre à jour, peu importe que physiquement ça mette à jour la valeur ou pas, lui il va la mettre à jour. Donc oui, pour répondre à ta question, par contre dans Postgres, tu as un truc que tu peux utiliser, alors je ne me rappelle plus du nom exact,
mais tu as un trigger qui est built-in dans Postgres que tu peux mettre sur ta table et sur ta colonne en lui disant, je crois qu'il s'appelle suppress redundant update ou quelque chose comme ça. C'est un trigger qui existe déjà. Enfin, c'est une fonction qui existe déjà que tu peux appeler dans un trigger qui va dire à Postgres, là, tu me mets à jour cette ligne-là que s'il y a réellement un changement. Donc, c'est un peu plus coûteux. Ça te plombe un peu les pertes de ton update parce qu'il va devoir vérifier si physiquement il y a le changement à faire ou pas vraiment. Par contre, ça te permet de mettre à jour vraiment que les lignes qu'ont vraiment besoin d'un changement. C'est pas particulièrement une bonne pratique parce que comme je te dis, ça te ralentit quand même un peu les performances de l'update. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut utiliser dans certains cas particuliers, mais de base c'est pas recommandé de l'utiliser par défaut. Très bien, merci. Et la dernière question, qui est une petite question classique pour finir, de Bourilut. Est-ce que ça fonctionne bien les index sur les chaînes de caractères? Ouais, alors oui, ça fonctionne bien sur les chaînes de caractères. Je crois que tu as une limite quand même sur la. En fait, je crois que tu n'as pas une limite sur la taille de la chaîne de caractères en tant que telle, sur le nombre de caractères, mais je crois que tu as une limite sur la taille du nœud de ton index. Donc en fait, si tu as des chaînes de caractères qui sont vraiment très grandes, en fait, tu vas dépasser la taille du nœud maximum de ton index. Et ça va planter. Je crois que ça plante, je ne sais plus si ça plante au moment de l'indexation ou au moment de la query. Mais en tous les cas, ça va planter si jamais les textes sont vraiment trop longs. Je n'ai pas la limite en tête, mais elle est grande. Donc ça fonctionne bien sur la plupart des use cases. Après, si tu stockes des romans dans ta base de données et que tu indexes tout le roman, là, ça ne fonctionnera pas. Si tu stockes des chaînes de caractères qui vont jusqu'à 100, 200 caractères, 500 caractères, en théorie, il n'y a aucun souci. Il ne faut juste pas indexer des romans, quoi, globalement. Merci, je jette un œil. A priori, pas d'autres questions. Un grand merci, Nelson, pour tout ça. Merci beaucoup à vous. Tu as eu, alors, je vais quand même te citer une remarque de Daxury 777, mais je pense que d'autres, c'est pareil. Et donc, ils ont beaucoup aimé la façon dont tu réponds aux questions, pas prise de tête, droit au but, pas de bullshit, et tu fais pas croire que tu sais tout, etc. C'était super apprécié par tout le public. Merci à toi. Bah, super, merci beaucoup. Voilà. Et merci à tous ceux qui étaient en back-office aussi, Laurie et Yann qui ont indexé, trié énormément de questions. Ça m'a beaucoup facilité la vie parce que c'était très animé ce soir. Merci au chat notamment. Et sans oublier Étienne à la régie et le backup de la régie qui a tout préparé mais qui derrière a juste attendu, qui est Philippe et qui était là en cas de problème. Merci à tous les deux. Merci à tous. Bonne soirée et au revoir tout le monde. À mardi prochain, 21h pour la prochaine session.